Mesdames et messieurs, bonjour. Et non, la cam, elle est sur moi. Tu t'es fait Eldwag, effectivement. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes en direct de la Gotaga Television avec deux guests incroyables, dont un qui n'est pas là. On a voulu commencer à l'heure. Regardez, c'est quoi la problématique? Dis la vérité. Dis pourquoi il est pas là. Il est en train de dévouler un cake. Non, faut dire la vérité. Voilà, il est parti chier, les gars. Il est parti chier. Donc vous avez pu voir Maxime, le beau Maxime. Salut mon coco. Comment ça va, Maxou? Bah ça va super. Et toi, mec? Carrément. Mais il m'a appelé coco. On est proches. On est copains. J'ai raté des étapes. Faut pas avoir le seum, c'est pas grave. Écoute, ouais, non, il est un peu jaloux parce qu'entre nous, on n'a pas de petit diminutif. Ouais, ça fait longtemps qu'on fait des soirs ensemble. Mais du coup, comment tu vas? Bah ça va super. Je vous avoue, je sais pas, vous m'avez invité sur un truc Minecraft. Vous savez que moi, je sais pas jouer au jeu quoi. Mais en fait, je sais pas, on a vu un tweet en fait de toi qui m'a dit, viens, s'il te plaît, ce serait soir, chouette. On joue à Minecraft. Ce serait chouette même, Tammy. J'avais dit que ce serait chouette. Ouais. Mais moi, je dis, reviens, on fait des maisons, on fait du blé. Là, j'ai commencé à entendre parler, ouais, c'est quoi le meilleur shader pour le PVP. Là, vous m'avez perdu, les gars. Bah là, ouais, non, mais ça, c'est Inoxac. Et d'ailleurs, en parlant d'Inoxac, mesdames et messieurs, du bruit pour la star de ce soir. Inoxac est avec nous. Montrer que t'es musclé. Mais c'est quoi, c'est pour les essais, tu fais du vélo? Ça va ou quoi, les gars? Ça va de ouf, surtout que je trouvais que ça manquait beaucoup de muscles sur ce plateau avant que t'arrives. Mais non. Franchement, je suis d'accord avec lui. Maxime, il s'est enfoncé dans sa chaise. Oui, bon, bah vas-y. Déjà, quand il était pas musclé, il t'a mis des balayettes, gros. Oh, la balayette, je m'en rappelle. Ouais, c'est vrai. On s'est dit, on a Maxime, on a Inox. Dernièrement, à moins que vous viviez dans une grotte, vous savez que Inox a sorti du coup son serveur OneCube. Et du coup, il nous a concocté normalement plein de petits mini-jeux. Voilà. Avec l'aide de ses équipes. C'est vrai que toi, t'avais fait la première soirée. La soirée arnaque d'ailleurs. Celle où tu sais, on devait garder nos statues un mois. T'as dit, si vous gagnez la soirée, vous allez rester un mois. On a réussi à voler la soirée, on a réussi à la gagner, je sais plus comment. Et notre statue est restée deux jours. Attends, quoi. C'est quoi ton statut? Ah, le statut. Non, pas statue. La statue. Ouais, ils nous ont fait une vraie statue. Ah, non, ouais, tu sais, quand tu te connectais, tu voyais nos skins vrai, et tout. C'est vrai. Elle est restée deux jours. Non, mais il y a le Fallen Kingdoms que t'as pas testé. Il y a le Build Battle aussi que t'as peut-être pas testé. Ça va arriver, mais avant de parler de Minecraft, intéressons-nous à nos deux invités. Tu l'avais un peu dit, mon cher Gotha, mais on a la chance d'avoir Maxime avec nous ce soir. Maxime, la star montante. La star montante. Actuellement, je pense, les gars, c'est dans les influences. Dans le top 5 des influences du moment. En dehors de ce rôle un petit peu d'animateur, d'acteur, ouais, tout ce que tu as comme qualité, comment va la personne, comment va l'humain? Attends, là je sens la douille. Non, là je sens la douille. Là il y a une douille. Non, là vous êtes trop gentil, il y a une douille. C'est qu'il y a que de l'amitié ici sur ce plateau. Ok, là tu jures, y a rien. Juste t'es en mode t'es gentil avec moi. Naturellement gentil avec toi. Ok. C'est vrai que c'est un peu bizarre, mais je te jure, il est vraiment gentil. Mais vraiment, comment est-ce que je me demande? Trop gentil, bizarre, non? Mais y a rien derrière. Ok, vas-y, faut savoir toi comment tu vas au quotidien. Est-ce que peut-être la charge de travail commence à être un petit peu pesante? Est-ce qu'au contraire tu rencontres certaines difficultés, type tu n'arrives pas à déléguer comme beaucoup de perfectionnistes et de gens talentueux comme tu en fais partie? Ouais, je te préviens, mais je te préviens, quand tu fais des questions, c'est des monologues souvent, mais... où ils répondent en sa question. Mais en plus, il a répondu à la question. T'as tout dit. J'arrive pas à déléguer, c'est trop dur en ce moment, je suis un peu sous l'eau, mais Imhotep, ça va. T'as vraiment tout résumé et c'est exactement le cas. Et ça prouve qu'en fait, on suit tous à peu près le même schéma. Les gens qui bossent, ouais, mais lui, il arrive toujours pas à comprendre là-bas au bout du plateau. C'est toi qui dis ça. Donc là, il lance des free pics là. Bon, là, je vous laisse entre vous. Non, mais en fait, c'est quoi? Il est juste jaloux du petit surnom de tout à l'heure. Je te dis, c'est juste pour ça. Ah, mais ouais, le Maxou, il est là. Le Maxou, il l'a pris comme ça. Mais est-ce que toi, tu lui tweetais en 2012 des trucs? Non, tu lui tweetais pas. Tu lui tweetais pas en 2012. Tu lui as tweeté quoi en 2012? Mais je lui disais, un peu de Minecraft, ce serait chouette. Je lui demande, on fait un live déjà en 2012. Je savais même pas qu'on pouvait suivre des lives. Mais oui, il y en a qui sont dans le game depuis longtemps, les gars. Je suis heureux parce que ce soir, on va jouer avec Gotrak, les amis. Non, t'as vu ça dans le chat? C'est mon pseudo de à l'ancienne. On va jouer avec Gotrak. Ah, d'accord. Ah, donc ce soir, c'est Maxou. C'est pour ça que t'as abandonné le pseudo et tu t'es dit Maxime Biagi. Genre, tu te l'es fait en mode juste prénom, nom. En fait, je me suis dit, ça serait bien que je trouve un nom comme FZ. Mais lui aussi, c'était par rapport à ça. Ah ouais, mais ouais, tu m'as plagié. C'est vrai. Moi, Gotaga, c'est Gogeta, mais tu sais, je pensais référencement déjà à l'époque. J'ai changé un peu des LED, machin. Et tu vois, Gotaga, c'est une petite sonorité Gogeta un peu. Ah, j'avoue, c'est pas mal. Moi, Gotrak, c'était à chier. En plus, j'ai rajouté C'est vrai que Gotrak, c'est pas ouf. Non, maintenant, c'est Gotrak. Oh, ça, c'est pas mal. Non, toi, t'es trop mon pote. J'espère que vous avez plus qu'à changer le titre. C'est Maxou et Gotrak ce soir. En notre compagnie. Après, toi, t'as un nouveau palmarès à franchir là bientôt. Ouais, là, j'ai un autre palmarès. Là, c'est plus les jeux vidéo. Oui, c'est big. C'est la vraie vie, ma gueule. C'est la vraie vie. Tu sais que là, par exemple, la semaine dernière, on avait une émission avec Gifsy et PA. On a parlé pendant peut-être 20 minutes de ça, une demi-heure. Mais attends, est-ce qu'il peut le faire et tout? Parce que moi, je savais pas toutes les difficultés que c'était. Bah, dès que PA m'a dit, mais tu sais que c'est chaud, moi, il y a 300 personnes qui montent seulement par an. Et c'est vraiment, t'as genre 2-3 semaines dans l'année où c'est possible de monter. Mec, ça se trouve, je vais y aller, je pourrais même pas monter. J'ai une question, moi. J'ai vu, je sais pas si t'es au courant. Apparemment,
il y a un glacier qui bouge. Ouais, c'est sur le K2 ça, je crois. Non mais c'est une dinguerie. Sur l'Everest, t'as pas ça? Non, je crois que c'est que sur le K2, si je dis pas de conneries. Ok, parce qu'il y a des glaciers qui bougent tout le temps. Et ça après non, sur l'Everest aussi, il y en a. Ah, sur l'Everest aussi, je crois. Et en gros, ça veut dire t'as pas de chemin fixe vu qu'il y a des crevasses qui se créent. Tu sais que tu as des échelles, tu dois marcher sur les échelles. Dinguerie. Ils ont des échelles avec eux, ils les posent entre les deux crevasses et genre si tu tombes, t'es dans le vide quoi. Après t'es attaché, mais vaut mieux pas tomber. Toi, le but c'est de monter jusqu'au ou pas? Moi, mon but c'est d'aller tout en haut. On parle. Non mais le problème c'est que du coup ce qu'on disait avec Pierre et tout la semaine dernière c'est que genre les trucs c'est pas dépendant de toi, c'est dépendant de la nature en fait. Mais je mise tout sur ça. Mais frérot, ça veut dire pendant 2 mois là tu mets tout en pause après. Pendant 2 mois je pars. Ouais. Parce que il y a aussi un vrai truc, c'est que c'est là on parle du jour J, du gros défi, mais ce que vous prenez pas en compte c'est toutes les montagnes, tous les monts qu'il fait avant, qui sont eux très peu mis en avant, très peu filmés, et pourtant il y est. Je sais que tu m'as dit que t'en as déjà fait deux des exercices. Mais c'est vraiment des faciles. Oui, mais il y a le Mont Blanc qui arrive par exemple. Ouais. Et le Mont Blanc il fait pas partie des faciles. Ah, le Mont Blanc c'est chaud quand même. C'est déjà un énorme défi en soi, tu aurais pu t'arrêter là quoi. Ça aurait pu être la fin de l'histoire. Est-ce qu'on aura quand même l'occasion de les voir ces images? Parce que Mont Blanc, je pense faire une vidéo du GR20, si je vais faire le GR20 en Corse. Et ouais. T'as un truc qui s'appelle le cirque de la solitude qui est un peu chaud, mais c'est plus dans la dureté physique, mais t'as pas le truc d'altitude. Oui, voilà. Et je fais l'Iceland Peak. Et l'Iceland Peak, je le fais 6 mois avant. Tu sais que t'arrives à l'Iceland Peak, tu vois l'Everest. Ouais. Je vais voir l'Everest, je vais dire dans 6 mois, je reviens. Mais après, t'as fini le jeu, t'as quoi à faire de plus ouf? Ah, c'est fini? Non, moi, c'est pas fini après. Non, la lune, non, pas la lune. Je suis déjà sur le dos. En fait, j'attends encore. Par exemple, la Zilane, quand je me suis mis à fond dedans et du coup j'ai sacrifié un mois businessment parlant, c'était la crise. Elise, elle était comme ça en sueur, en mode bientôt fini t'as l'âne là, ton petit caprice, ton petit machin, parce que du coup forcément moi c'était en mode j'y vais pour gagner, les tournages vous me parlez pas, les sorties vous me parlez pas, les émissions vous me parlez pas, je veux juste être concentré, juste game et voilà. Mais 2 mois du coup, c'est à dire que c'est 2 mois de contenu que tu fais pas. Bah on va essayer de s'avancer, ou tu feras peut-être en mode vlog machin, tu vois. Mais sinon ouais, c'est 2 mois où tu déconnectes hein mec. 2 mois tu dois être full focus, tu vas faire un peu d'avance. Mais moi je t'ai dit hein, moi je préchote, le but c'est pas réussir à aller plus vite, tu vois. Il y a une rando pour monter à l'Everest, t'as une rando de 10 jours. Et t'en as qui le font en 8 jours. Moi, je vais prendre mon temps, je vais marcher tout doucement. Faut juste y arriver. J'ai vu Nadir qui a monté l'Everest. C'est le mec du 9-3 là, tu sais, qui a monté l'Everest en haut. Il m'a fait un petit discours et tout. Il m'a dit tu prennes ton temps, c'est pas la course. Le but, c'est de réussir à la fin. Après, comme je t'ai dit, il y a le truc de la nature, le machin. En tout cas, tout le monde suivra ça de près. On va tout donner, on va tout donner. Tu sais, le pire, c'est que toi, tu vas pas être là. Tu seras coupé du monde et tu sais que les gens vont être en mode est-ce qu'il y arrive. Ouais. Tout le monde va y penser. Et moi, je pense que tu peux le faire, moi. Si je devais parier, je dis oui, mais 100%. Ouais. Les gens, ils sont trop en mode impossible et tout. Mais lui, quand il a un truc en tête, ce chien là, c'est fini. Il pense trop que. Ah wow là, arrête, c'est bon, t'as gagné. Ah là, tu l'as cherché. Ouais, je sais, je l'ai full cherché, je sais, t'as gagné. Viens, pourquoi tu dis non, les câlins, on arrête le jeu. C'est dans l'émission, c'est un chien. Fin du jeu, que des câlins maintenant. Mon autre jeu, c'était je l'attaque et il fuit. Tac, et là, il a compris. Il va partir, il va revenir. Tac, il part. Oh, il part plus, il a plus peur, je te jure, il a plus peur. Il y a un truc à changer. Je pense que le petit cri strident, effectivement, n'a pas aidé en ta faveur. Il avait peur, là, il a plus peur. C'est moi qui ai. Mais vas-y. Gotha, regarde ce qu'il y a là tout à droite. Waouh, un happening. Non, c'est pas un happening, c'est une surprise qu'on voulait faire à quelqu'un qui a attendu ce moment-là depuis peut-être trop longtemps. Oh, Maxime, t'as un petit cadeau. Ça y est, je pense qu'il est temps de passer la relève aujourd'hui avec son émission Zen, les gars. Et d'ailleurs, j'ai eu des embrouilles avec ça. Ça tombe bien, on va aller régler les embrouilles. Non, attends, j'ai la pression, c'est quoi? C'est un disque d'or? C'est tout comme mec. C'est même mieux qu'un disque d'or. Nino. Ah, bah Ace fait Ken par Ace. Et pendant ce temps-là, les gars, il y a peut-être relation. Tranquille. Alors, attends. Ace, on était à un moment un peu symbolique. Non, mais allez. Non, mais s'il te plaît. Oh non, 10 ans de stream pour en arriver là. J'ai deux chiens à mes jambes, les gars. Mais calmez-vous. Ça avait l'air permis. Il disait rien. Pourquoi quand c'est Ace, tu dis rien? Quelle est la différence entre Ace et moi? Parce que toi, t'es vraiment un peu là. Oh, salut, mon pote. Ace, il est trop content. Non, mais allez, allez là. Mais toi, là, c'est moi. C'est le gars ou quoi? C'est un chien. Tu parles à qui? Je sais pas, frérot. Bref. Arrêtez de me forcer. Mec, c'est un truc insane. Mais j'ai envie de voir. C'est un truc pour te dire, on le garde depuis 2012. Ah, c'est mon tweet. Regardez comment il est fort. Eh oui, mesdames et messieurs, ça y est, en main propre. Oh, let's go. Il va pouvoir regarder toute sa vie. 30 décembre 2012. Ouais, j'adore. C'est une leçon de vie. Les gars, dites-vous qu'il me tweetait en 2012. Ouais, c'est là, une leçon de vie. Là, il y en a qui rigolent. Voilà, lâche-moi la jambe. Je vous dis la vérité, le mois du passé, il aurait été trop fier. Inox. Oh, le gauche. Non, mais frère, il est en train de terminer. Laisse-le tranquille. Me terminer, vas-y, moi, je me lève plus. Je suis trop excité. Qu'est-ce que je fais? Moi, je suis fier premier degré. T'imagines le mois de 2012? Exactement. Il va être trop content. Faut jamais abandonner dans la vie. Tous les gens qui tweetent sur Inox là, peut-être dans 10 ans, si vous bossez et que vous avez beaucoup de chance, je pense quand même aussi, ben peut-être vous serez dans la même situation. Tous ceux qui lui envoient des messages là, genre Inox, c'est la vraie boss, signature ça se voit de Gotha, la merde. Ouais, tout à l'heure, Alex Lévy, il fait signe ça. C'est une vraie signature à la main, hein, par contre. Ça tue. Merci les gars. Ça déboîte. Je le garde premier degré, je suis content. Peut-être tu veux que je le signe aussi pour avoir genre. Allez, on va commencer Minecraft. Ouais, garde-le, fais gaffe, laisse pas trop près de lui, frérot. On va commencer. Du coup, on joue à Minecraft. C'est quoi déjà le premier mode de jeu que tu as?
contrôle. Par contre, Inox. Comment ça, je prends le contrôle? Attendez. On est sur ton serveur. On est sur ton serveur, frérot. Il y a juste un truc. Là, on est en hashtag AdOneCup sans être payé, frère. Inox. C'est vrai ça. On a fait une surprise à Maxime. Tu sais très bien qu'on fait jamais une surprise à un de notre invité si on fait pas une surprise à l'autre. Donc tu doutes bien que maintenant c'est l'heure de ta surprise. Non, moi je veux pas de surprise. Oh, let's go. T'as une petite surprise. Frérot, ça va être dans l'écran en face. Ça va être dans l'écran, toi en face. Je t'explique tout. Ce soir, on est sur ton serveur. On rappelle OneCube. C'est là qu'on va faire toutes nos épreuves Minecraft. Mais on a exceptionnellement dérogé à la règle. On est parti parler, nous, à ton staff pour une chose. On a ajouté un mode sans ta validation qui est temporaire, qui disparaîtra direct après. Ah, il y a un mode sur le serveur. Juste uniquement pour ce soir. Oh, dinguerie ça. Ah, on voulait pas que tu sois au courant. On voulait pas que tu fouilles. On voulait pas que tu vois avec eux. Non, mais c'est vrai. On va le faire en premier si vous voulez. Ça vas-y, vas-y, vas-y. Non, vous trollez. En image, regardez le mode qu'on a demandé au modérateur d'ajouter au serveur. Regardez. C'est éclaté. Oh mais non! Non, pas ce mode, je vous en supplie! Oh, mesdames et messieurs, exceptionnellement sur OneCube! Non! Le Color Match! Non! Mais il est trop nul, et le pire c'est qu'en plus c'est lui qui lançait les modes, du Color Match on a jamais fait, il relançait, il se rendait pas compte que c'est toujours le même mode que j'ai en boucle! J'ai jamais autant rigolé, gros. Oui, non, il a lancé le. Parce que, en fait, en vrai c'était drôle quand tu perds le mode, tu relances. Il disait, mais les gars, je crois que c'est. Ah, tiens, prends le truc Match Color ou Call Match, et les gars, ils disaient, mais putain! Attends, vous l'avez vraiment remis! Color Match is back! Mais non. Je te rassure, c'était une vanne. On n'a pas ajouté Color Match. Ok, merci. Soir. Par contre, c'est vrai qu'on parle beaucoup des lundis. Qui domine le lundi? Bah écoute, frérot, il y a eu des discours. Par contre, il y a des gens qui ont parlé. Bah, je sais pas, entre lundi interposé, c'est comme ça qu'on va le dire maintenant. Répétez ces mots-là, c'est. Non, non, c'est un peu dur. Non, ah ouais. Si vous avez des images. Les images, s'il vous plaît. De quoi? De ce qui se passe. Depuis plusieurs lundis. Qu'est-ce qui se passe depuis plusieurs lundis? C'est quoi, qu'est-ce qu'il y a, les gars? Plusieurs lundis. Si on arrête notre émission à chaque fois que des hops veulent nous faire, on n'est pas sorti de l'auberge. Donc, c'est qui des hops? C'est quoi hops? Non, tu n'es pas dedans, toi. C'est pas moi qui dis. T'es pas dans le clash quoi. Toi t'es l'invité. Eh clash. Arrête de faire le malin. Théodore, j'adore. On t'a déjà dit. C'est qui mêle les invités aussi. Mais j'ai pas compris Théodore pourquoi il a parlé de hop. Grim, moi j'attends qu'une chose Gotha, c'est que tu me soulèves. Wesh non. Et non que je finis vite la phrase, Et que je te qu'on se soulève. OK. Au catch. Donc ça va arriver très vite. OK au catch. OK. On a vu le combat Cyril Gane John Jones. C'est quoi Cyril dans la Attends, je sais pas, explique-nous, nous on a des images, on veut savoir. On faut assumer maintenant. Et encore ça c'était pas les mots. Non parce que nous on adore l'émission Zen, mais le problème c'est que vu qu'on est en émission le lundi, on peut pas voir et on reçoit ce genre de clip. Gotha, c'est pas, il y a une autre vidéo. Non mais je te dis, il y a une autre vidéo encore. Ça vous embrouille chez Gotha? Et qui veut quoi Gotha? Gotaga, écoute-moi bien. French Monster, tu fais malin derrière le clavier, mais regarde en face. Hey, c'est la vraie vie, frère. Y'a pas de Logitech, frérot, y'a pas de machin, frère. Frérot, là j'ai Cyril Gane et là t'as John Jones, frérot. Ouais, frère. C'est que gros, y'a pas de top 1 ici. Regarde-nous bien, un acheté, un offert, tu vois ce que je veux dire ou pas? Fais très attention à ce que tu fais, mon copain. Tu vas looter un point dans ta gueule, frère. Tu vas comprendre un peu c'est quoi la vraie vie ici, frère. Pour l'instant, c'est pas sa soirée. Pour l'instant, on est sur Max. Les gars, Biagi. C'est quoi ces c'est des deepfakes? Vous avez fait des deepfakes? Arrête. Mais je sais pas, mais attends, tu vois ton point, ça avait l'air d'être le même que dans la vidéo. Mais pas du tout. Tu sais, tu levais comme ça en mode, tu vois ce point dans la. Mais n'importe quoi. Je sais pas, c'est trop bizarre. Passe caméra, répète tout simplement ce que tu disais sur ton plateau. Vas-y, la parole est à toi, vas-y. Gotaga, si tu m'entends, moi je kiffe trop tes émissions. Ouais. Master Kill, et je kiffe trop Steel Series. Il est quand même très fort pour ça. Hashtag ad. Certes, ça ne remplace pas le 2v2 catch qu'on va devoir faire parce que on moi, va, non, mais ça, ouais, on va moi, se, Grim, on va devoir. Je m'en occupe vraiment. Ouais, ouais. Non, et cette proposition de se soulever, j'ai bien aimé, je pense qu'on doit le faire. Ouais. On y va? C'est ça. Mesdames et messieurs, regardez ce qu'on vous a réservé ce soir. Max, avant de jouer à Minecraft, je vais demander de te lever. Oh, et d'aller la dans l'arène face à Gotaga. Attends, mais moi j'y vais là comme ça là. J'ai trop envie de voir ça. On vous laisse 5-10 minutes pour vous mettre en tenue parce que c'est pas si évident. On va ah, vous c'est aider. Long. Je pense que je dois que je te mets balayette laser comme à l'époque. Tu veux qu'on fasse notre match En vrai, je pense que j'ai clairement le niveau là pour te balayette laser après. Après, c'est comme que... si t'as envie. Hein. Ah, c'est pas que j'en ai envie, mais je rêvais en fait, de me venger. Deux ans après, je rêvais de me venger. En fait, deux ans après, faut que je te montre. C'est mais le combat, il sera plus difficile pour toi. Il sera plus difficile, mais au final, il y aura la même finalité. Pour ceux qui ont pas la ref, regardez. La puissance de Dwagby va-t-elle primer face à la fougaise Inoxtag en un coup. Il se relève. C'est pas terminé les gars, les dons ça défile plus. C'est pas bon là. Les dons. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? La prise de catch. Dwagby qui abandonne. Si le clip n'existait pas, je n'ai aucun souvenir. Je ne vois qu'un flash. Je n'ai rien compris à ce qui s'est passé, mais tu m'auras pas une deuxième fois. Frérot, retiens bien ce qui va se passer. Tu m'auras pas une deuxième fois. Là, ça va être pire. Je crois qu'ils sont prêts. Ok, le combat est prêt. Je veux voir ce combat. Mesdames et messieurs. Ouais, c'est un color. C'est un color là ou c'est. Ce soir, on va vivre un combat de légende. 2 semaines qu'ils se cherchent à scrimmage d'intervalle. Aujourd'hui, ils sont face à face.
dans l'arène. Et il ne peut en rester qu'un. Qui va l'emporter à votre avis? D'un côté, on a l'expérience. Gotaga va se faire écraser. Il est là depuis 2012. Il a éliminé tous ceux qui se sont présentés sur son chemin. Et aujourd'hui, il joue pour le titre du lundi. Appelé aussi le French Monster. Go da nya. Oh non, elle est venue le star. Mais face à lui, de l'autre côté, la jeunesse. Certes, il a une tête de victime, mais attention, il s'est défendu. Oh, il y a un autre chien. Il s'est juré de toujours se battre pour des causes justes. Et ce soir, pour lui, c'est la délivrance. Des bruits pour Maxime. Maxime. Il y a deux combats, frérot. Mais je me rappelle, c'est, il faisait la même taille avant. Alors que là, on va le démarrer avec Ace. Premier combat contre Yuki. Tsuki Ace, oh la victoire de Ace, hein, largement. Tsuki a fui le combat, bravo. Winner! Are you ready for the battle? Que le meilleur gagne! Let's go! Comment ça marche? Faut se faire tomber. Oh, c'est parti, Gotaga qui s'impose. Oh, laissez-moi en dehors de tout ça. Déjà! Non, Maxime, sans surprise. Déjà et sans relève surprise. Toi. Relève-toi. Vas-y, vas-y, maintenant dans son dos. Il faut. Oh, attends, oh, La pause. La pause. Oh, l'esquive. Oh non, l'esquive. Toujours un coup d'avance. Hey. Oh. Ne compte pas, Maxime. Allez, Maxime. Fight, fight. Ouais. Oh. Ouais. Tu. Maxime, debout. Bon, finis. Victoire. Gotaga. Non. Gotaga. C'est pas terminé. Il est invincible. Maxime, c'est ton moment. Une confiance, Gotaga n'a pas perdu une seule. Oh, il le renverse. Il le touche. C'est la première fois que Maxime. Oh, il est pas par-dessus. Oh là là. Le comeback de Maxime. La soumission de Maxime. Oh, c'est la première fois qu'il a l'avantage. Il veut le pousser à l'abandon. La clé de bras de Maxime. Il veut le pousser à l'abandon. La clé de bras, il y est. One. Deux. Oh, il essaye. Trois. Il a que Gotaga va abandonner. Abandonne, Gotaga. C'est fini. C'est fini. Maxime Galti, grand vainqueur. Bien joué frérot, t'as rien lâché. Comment il gagne jusqu'au bout? Eh, vous pouvez vous relever une fois que vous êtes comme ça? Comment il gagne ça? Bien joué. Oh, c'était fou. Moi aussi. Max qui est de retour, qui va peut-être nous parler de son combat, qui a pas été facile. Ouais, pas facile. Comment tu vas? Qu'est-ce que ton coach te dit? C'était quoi la stratégie à la base? C'est vrai qu'on savait que Corentin avait des notions beaucoup de striking et on savait qu'il fallait le chercher sur le sol parce que debout, on n'aurait pas pu faire quelque chose. C'est vrai que les trois rounds, je me fais mettre KO. Il y a un moment, je sais plus où je suis et tout. C'est le moment, l'arbitre, il arrive, il me fait ça. Je sais plus de quoi ça il parle. Ça va y être terminé pour toi. Hein. Je crois qu'il me fait de la tectonique, je comprends pas ce qu'il me fait. Comment tu fais pour te relever à ce moment-là? Comment tu te dis, ok, là, absolument, faut que je montre que tout va bien? Il y a Inox qui arrive et il me dit, ouais, frérot, si t'arrives à te relever et tout, etc. Je te sais, juste après, enfin, il m'a motivé. Il a trouvé les mots justes, quoi. Il a trouvé les mots justes. Et là, je me suis relevé, je me suis dit, faut que j'attaque les jambes, quoi. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est passé. Les gars, on s'est fait trap de passer eux qui devaient se fight. Doug a manipulé l'émission, les gars. Mais par contre, je suis d'accord avec Gotaga, on nous a dit, ouais, Inox et Doug, ils vont se fight. Et moi, j'arrive là, je crois que je vais jouer à Minecraft avec mon idole. Alors, attendez, les gars, c'est pareil, un sondage qui a gagné, Gotaga Maxime ou remboursement. Ah. Votez, vous devez être entendu. Techniquement, ta dernière prise était vraiment on point. Ouais, mais t'as gagné les trois d'avant. Chacun est juge, les gars, c'est la majorité qui décidera. Pour l'instant, c'est 48% pour Gotaga, 42% pour Max. Le chat a voté, hein. Oui, le chat a voté. Inox, je te laisse prendre ton micro, ton casque et nous dire ce que tu vois parce que pour l'instant, c'est confirmé. Hein, les c'est gars, bien, moi, je suis explosé. C'est bien Gotaga qui va gagner ce combat officiellement. Ah ouais, et puis de l'argent, 48% de vote pour Gotaga. 48%, 48 contre 42. Ça veut dire qu'il y en a 52 pour Maxime. Donc Maxime est en train de gagner, les amis. Il a toujours pas compris. Non, il avait remboursé moi aussi. Non, mais ça, parce qu'il y avait 3 fois. On est parti, mesdames et messieurs, pour du Minecraft. On est sur OneCube. Qu'est-ce qu'on fait pour commencer? Comme vous voulez, moi, je vous propose qu'on commence un bedwar 2v2, mais qui est contre qui en fait? Écoute Inox, tu vas devoir nous regarder tous les trois et choisir ton teammate. C'est toi qui dois choisir. Avec qui jouer? C'est vrai qu'on a déjà fait plein de duos ensemble sur Minecraft, on se connaît en un fait, peu. En fait, le plus nul ici, c'est Max. Je pense, les gars, que je dois être avec Max. C'est vrai que t'es vraiment un nulos, ouais, mais... toi, quand on en parle, c'est vrai qu'il a raison. Pourquoi Max exactement? C'est quoi ses qualités? Max, ses qualités, c'est que. Il est chaud à la canne à pêche. Ouais. Dans une autre? Et t'es un mec cool, donc c'est. Ah.
Alors du coup moi je me mets avec Max et toi et Gotha vous êtes ensemble. Ceux qui gagnent, et là j'assume vraiment, il y aura une partie dans le lobby où vous aurez vos deux skins en géant pendant un mois. Un mois. Un mois. Wow. Du vrai un mois. Mais vos skins en géant. Tu sais que tu viens de dire ça devant près de 80 000 les viewers. Deux qui gagnent. Attends, gagner là le Bedwars ou la soirée? Non, la soirée. Ça veut dire on fait un compte à la fin. Les builders ils feront vos skins en géant à un endroit de très okay, chaud. Ok, c'est stylé. Très mais pas caché bizarre hein. Non, ils seront à un endroit caché. Vas-y, faut te donner mon refrain. C'est quand vous voulez, c'est toi qui fais le décompte Inox, tu t'as juste à faire 3-2-1 et ça. Je fais 3-2-1 et ça. Mais attends, mais par contre moi je suis pas satisfait. J'aimerais bien qu'à un moment quand même il y a un combat Inox contre Doig. Parce que Doig t'as toujours dit que tu méritais pas cette balayette. Moi je suis sûr que tu t'es fait déchirer ce jour-là. Déjà, je te donne des secrets, c'est pas pour que tu les divulgues en public. Écoute, je dis tout maintenant, je dis tout, tu nous attrapes, on devait pas se battre avec Maxime. C'est vrai, on a dû monter sur le ring. Inox, il est trop beau pour que je l'abîme. Oh non, pas du tout. Inox, avec ta musculature, tu sais. Franchement, juste garde en tête. Là pour l'instant, voilà, on va faire du Minecraft. Garde en tête, reste concentré, champion. Eh, moi je voulais que je vous dise un truc. Moi je suis chaud à la fin. Je te remets une couche parce que je crois que t'as pas compris la première balayette. Oh la daguerie. Attends, il parle à moi. Non, pas compris. La première balayette. Je crois qu'il a pas. Mais je suis d'accord avec toi, je crois qu'il a pas compris la leçon. Je crois que t'as pas compris. Je crois qu'il te parle vraiment à toi, moi. Lul. Excuse-moi, j'ai mal entendu. Toi, Arif. Ah, moi j'ai rien dit. Ah, ok. J'ai eu peur, j'ai vraiment cru qu'à un moment il me. Je m'égarais de sujet, t'inquiète. Ah, pardon, ça doit être my bad. Cake W. Let's go. Allez, go. Maxou, ça va ou quoi? Ça va être mon gars. Allez, vas-y. Bipou, pipou, je vais prendre du build aussi. Laisse-moi ça, frérot, t'inquiète même pas. Oh, laisse-moi l'anus. Ah, frérot, j'attends que ça. Dès que le live est cut, tu vas voir ce que je vais te faire. Là, c'est une dague. Dans la 208. Oh là là. Attends, frérot. Je fonce. Ouais, vas-y. Je disais, y a que du fast-fast, y'a pas de diamant, y'a rien. Y'a du gold là déjà. En tout cas, le lit. Ah, ça, je t'entends. Il est bon, ok, mais. Ok, j'appelle la musique de Minecraft rapidement. Ouais, grave, là, je vais venir avec toi direct. Ok. On va tester un peu leur capacité de réponse. Max, je vais mettre la pression. Vas-y, mets la pression. Max, je vais mettre la pression. S'il te plaît, tu peux jeter tranchant. S'il te plaît. Une petite épée tranchant. Ah, histoire qu'on tranche. Je te fais ça, bébé. Ok, alors attends, il me faut de l'or. Ok, W. Attends, j'ai 2 ors. Tranchant 1, 8 gold. Tu l'as pris ça, ça y est? Ok, il me faut de l'or. Dès que t'as 8 ors, je le prends. J'ai 2 ors. Je sais pas, ils s'activent quand les diamants, je te dis. Les diamants, ils s'activent dans 1 minute, Max. Donc, ok. On rushera le mythe dans 1 minute. Faut qu'on ait les diamants. Et 9, ça spawn à combien les diamants? 1007. Je t'ai mis l'armure. Armure 1. Ça dit quoi de ton côté? Moi, je peux essayer de me rapprocher. Je te ramène une pomme d'or. Oh non, je suis tombé. Okay. Vas-y, je rush moi alors. Ils vont vers le mid, mais je sais pas en fait, il nous a pas expliqué s'il y avait le diamant ou des trucs comme ça. Bah y'a rien, moi je vois que l'or au mid. Hein. Non, y'a l'or, non, après y'a du diamant, y'a deux trucs de diamant je crois sur les côtés. Attends, mais... Ah oui, mais c'est pas leur lit direct là. Mais non, c'est un middle, pardon, oui, my god. Ok. Effectivement, j'ai 30 secondes diamant, ils sont pas activés, ils s'activent dans 30 secondes. 30 secondes? Ouais, est-ce que je vais dans leur base? Là y'a Inox sur. Je bloque Inox sur son gold. Vas-y, bats toi mec, hein, j'essaie d'acheter les. Bouche. Dans 10 secondes. Je suis à leur or. Prends toi un plastron et fonce. Va au mid, rush le mid. Go. C'est quoi ce bordel? Je sais pas, j'ai un. Ils ont les diamants. Max, t'es mort? Je suis tombé, frère. Doig mort! Fumez-moi, ça dégage! Ouais, ça dégage! Doig dehors! Max, tu bouges plus d'ici maintenant. Non, je bouge plus de là. Tu ne bouges plus de là! Je bouge plus de là! Tu ne bouges plus de là! Attends, mais y'a pas Coco en sneak là? Tu penses pas qu'il est en sneak ici? Eh, hey, Maxime, tu l'as vu ou pas le truc? De quoi, frère? Quoi couper? Vas-y, reste là. Y'a Coco qui arrive? Ouais. Ah non, c'est bon, il est reparti. Vas-y, hop. C'est pas grave. Mais ils ont détruit notre truc, frérot. C'est vrai qu'ils prennent trop de diam tranquille là. Ok, Max, il est en train de se chier. Panique. Allez, il panique, Max. Max a tout perdu. Si on tue Inox, on a tout. Mort. Vas-y, on a tout, j'ai deux diamants. Vas-y, par toi, reviens. Je prends les gold, vas-y, je rentre. Reviens. Ouais, il est trop nul, Max. Vas-y, je rentre à la maison. Moi. T'as la vision sur eux, Max, c'est bon, viens avec moi, Max. J'arrive. Je vais en fumer un là. Là, je vais en fumer un là. Ok, c'est la. Max, je suis là, frère. Repousse-les. Putain de. Reste là, repousse-les. Ok, Doig dans le vide. Max, faut qu'on attaque un peu là. Faut qu'on soit offensif. Il est en diamant, Gotha. Je l'ai baisé, je rentre. Il était en diamant, il m'a fait mal. Je l'ai ratio quand même, le change. Oh oui, c'est ça, Max, que je veux. Ah ouais, frère. Pourquoi j'ai une épée en bois d'un coup, frère? Il m'a tellement tapé fort que mon épée est revenue en bois. Je protège la base, moi, Max. 24 secondes diamant. T'es diamant ou t'es vert chez eux? Je suis au diamant là. Je les bloque, moi, du coup? Ouais, je pense. Mais t'as fait quoi, frère? Mais c'est toi, mais. Oh frère mais tu vois, je suis au diamant. Mais parce qu'ils nous entendent. Mais gros, tu m'as. T'es 300 IQ, frérot. Il me reste une. Mais vas-y, mais je suis. Attends, j'en ai encore une. Je gagne avec toi. Là. Bah, comme ça. Mais là, il est mort. Impossible, il s'en sort. Vas-y, je prends les diamants. Okay, on a une bonne rota de diam, on a 2 diams. 30 secondes prochaine rotation de diam. 30 secondes. T'es en 1v1 contre Inox? Non, en v2, mais fais les allers-retours, prends tous les trucs et moi j'attends. Vas-y. Fume-le, s'il te plaît! Max, s'il te plaît, fume-le! Il est mort. Bien joué, récupère tout ce que j'avais sur moi. C'est bon, après c'est tombé dans le vide un peu. Mais non! Mais j'ai un peu. Oh, j'ai la TNT, j'ai les potions, je te donne tout, attends, j'arrive. Tiens, bébé! Ouais. Mec, attends. Mec, j'ai 4 diamants. Il est sur notre base. Mort! Oh putain, il était invisible.
rocher, nous, qu'est-ce qu'il est smart. C'est la game qui se retourne là-dessus, hein. Il a fait l'erreur de sa vie. Hein. Ah, vas-y, go full les rochers. Ouais, go full les rochers. Faut qu'on fasse du. Faut qu'on fasse des. Go. Oh là là, ils sont très bien. Go les fight. C'est maintenant. Mort. Il est mort. Je crois qu'il est deux morts. Hein. Il est pas mort l'autre. Non, non. Je sais pas comment on casse. On peut pas, frère, y'a un trou. Okay. Ah c'est plus Gotaga, c'est gros caca frère. Ah gros caca. Ah c'est gros caca frère. Allez bon. Allez lui dehors. Allez ça dégage frère. Merde. Je vais taper avec mon diamant frère. Bah allez hop dehors. Oh j'ai du diams. Oh bien joué, tu l'as récupéré. Ouais j'ai tout récupéré. Oh est-ce que tu l'as récupéré bébé. Oh c'est gros caca, il est tombé dans le vide. Oh les cons. Go t'as à côté, on va se refaire un combat parce que tu l'as. Non non s'il te plaît c'est bon, j'ai eu ma dose, tu m'as cassé la gueule frère. Oh gros caca ça me fume quand même. Gros caca c'est gore. Faut se rendre compte quand même, c'est tard en vrai. Max, vas-y fonce au mid Max, fonce au mid. Let's go, j'ai pris les diamants de Dwag, il en avait farm 4 pour moi. Let's go bébé. Puis j'allais détecter. Oui, il est chez nous, Okay. C'est maintenant jamais. Inox, faut que tu viennes m'aider, ils sont là-bas. Ils ont pris le bébé. Bon, on a perdu. Je... Oui. J'ai fait tomber. Encore. Ça, je t'ai dit, fallait que tu passes devant, frérot. Ah ouais, t'as rien. Non, c'est bon, je l'ai vu. Pousse-le. Ils ont plus de lit, c'est dehors. Ça dégage, Blackbeard. Il a place pour un diams, il est dans le coin. T'as raison, on était tellement devant, même en termes de stuff. Mais c'est pour ça. Mais il faut que tu passes devant, parce que tu vois, moi. Frère, il a place pour un diams, on est baisé. Il fallait courir, frérot, il est en train de péter notre lit. Ah ouais, t'as rien préparé. J'ai rien, gros, y'avait plus rien, y'avait plus de ressources. Frère, il fait trop mal contre un diams. Je le farm, gros. Et l'autre, il arrive dans ton lit, dans ton. Let's go! C'est quoi ça? Pas de sous! Voilà! Comme les abrés qu'on a dit, venez là-bas, vas-y! Et c'est vous là! T'étais accroupi ou t'étais invisible? J'étais invisible! En fait, j'étais au mid. Non! J'étais au middle, j'attendais que vous passiez, je bois ma popo et gars! Ça, je t'ai dit, passer, tu passes devant. J'aime bien. Honnêtement, je pense que vous en gagnez plus une. Ah, c'est beau, trois. Ah ouais, vous étiez bien partis, les gars! Ouais, mais c'est moi qui ai mal jaugé et Gotham me disait, on est devant, arrête, on est devant et je nous voyais derrière. Et en vrai, vous étiez vraiment bien au début. Mais on a fait les plastrons grafto. T'as eu le plastron grafto, ouais, mais je. Bah oui! Mais par contre, t'étais trop fort, frère. J'avais le plastron, je me suis dit, je lui pétais la gueule, il m'a déchiré. Mais là, on va gagner les deux prochaines. Bon, on refait la même, on était devant. On les avait, frérot. Pas besoin de se concentrer de fou sur le lit. Et quand on attaque, frérot, à la place de faire des boules de feu qui servent à rien, augmente ta pioche ou quoi? Pour augmenter ta pioche, frère, c'est 10. Mais quand on fait un gros rush, c'est ce qu'il faut prendre, tu vois. J'ai mis une petite protection de lit, mais je pense que je fous la gros middle. De toute façon, anyway, là, vu notre style. Ok, ils sont déjà au mid. Ils veulent contrôle le mid. Hein. J'arrive. Ok, Gotha mort. Il y a toi qui me suis. J'arrive. On aura diamant dans une minute. Max, j'ai besoin de toi. Alors. Vas-y, occupe-toi de son cas. Faut que t'ailles au mid, hein, Max. J'y suis, mais il était au mid, toi. Mais il a pris juste un gold. Vas-y, go mid. Il y a les diamants. Y'a Dwag sur moi. Faut que tu le fumes. T'as pas le choix. Ok, prends les diamants, go. On contrôle le mid. Let's go. On prend l'avantage. Let's go, pépé. Faut qu'on tienne 20 secondes. 20 secondes avant qu'il y ait les diamants. Contrôle-moi ce middle. Ok, fais demi, prends ton diamant et on se barre. Il est tombé. Il avait pas de cube, frère. Il est bloqué. T'as un diamant, toi là. On met dans le coffre, mon petit Maxou. Ouais, j'ai une boule de feu si jamais. Vas-y. Bah, quand tu veux. Attends, tu fais quoi? Oh, mais tu nous bloques, mon frérot. Mais je comprends pas ce que tu fais. Bah, ouais, non, mais. Double kill! Ils avaient trop la confiance! Allez, ça dégage, gros caca! Bien joué! Go, bébé! Franchement, la boule de feu que t'as mis, elle était incroyable! Oh, la boule Tar War Tech, frère! C'est terminé! Go les bloquer, on essaye de choper la doublette de diamant. Hein. Ouais, ça nous fait un avantage de fou. Joue le temps. Mais la pression, même si tu meurs, c'est pas grave. Faut que au moins que tu me joues le temps. Parfait, c'est bon, j'ai 4 diamants, tu peux revenir. Ah, il s'est bloqué tout seul. Il va tomber. Il est tombé. Frère, il a sauté dans le vide tout seul. Les gars, Gotha, il a trop les nez. Je sais pas quoi faire, ils ont trop de diamants là, gros. Ah, vas-y, micro, il kick trop bien, gros. Je peux même pas lui mettre un kick. On a trop d'avance là, Mac. Ouais, on est bien là. Là, franchement, je pense que c'est 2-0. Salut, bébé. Coucou. Il est sur moi. Casse-lui la gueule, frère. Il a un HP. Vas-y, frère. On les suit. Bien joué, frère. Bien joué. Ok, je suis tombé. La loula loulou li la la. La louli la la. Inox. Allez, Inox. Oh, j'ai un Mika. Il a un HP chez nous. Attends, c'est un V en fait. Il a pas de pomme d'or. Il a pas de pomme d'or. Tu peux le péter. Il a juste une armure full. Oh, il est en train de stresser. Ah, il est en train de stresser. C'est la triche. Allez, Inox. Mais arrête. Tu me touchais moi juste avant. GG Dwag. Allez, toi, continue. Je prends sa souris. Il a pas de souris. J'ai plus de souris. Il a pas de souris. Non, il a triche. Mais arrête. J'ai pas de souris. C'est quoi ça? Mais content. Il m'a pris ma souris. Ma souris, gros! Non, il est tombé! Ah, il est tombé!
Attends, tu es pour rien? J'ai rien fait. Je sais pas. T'es tombé tout seul? Mais j'ai l'impression vraiment que mon personnage a décalé à gauche solo, gros. Oh merde. Sota, il l'avait abandonné. Je suis arrivé dans son camp, il bougeait plus, il savait que c'était. Et frérot, et dès que t'as vu ton lit, t'as fait. Oh merde. J'ai failli te tuer avec rien. J'ai failli te tuer avec rien. Mais oui, je dansais devant lui. Je vous propose de faire un build battle. Chacun pour sa gueule. C'est un build battle, c'est quoi? Il va y avoir par exemple lapin et on doit construire chacun en 6 minutes un lapin. Et ensuite, c'est le chat qui décidera qui a fait le plus beau lapin. Ça, ça me plaît. Tu vois, moi, je me disais, je suis voir Minecraft. Moi, c'est petite construction. J'aime bien ça. Donc c'est parti, prenez des blocs dans votre inventaire et maintenant bah c'est à vous de jouer, vous devez vous faire le plus beau creeper. J'ai le seum parce que creeper. Ouais mais attends, mais faut avoir des connaissances. Je sais plus comment c'est un creeper moi. Creeper, j'ai bien seum. Est-ce qu'en régie vous pouvez nous mettre un exemple sur Non, t'as pas le droit, c'est de la triche. Bah ouais, c'est de la triche sinon frère. J'avais pas. Pas vrai mon pote Inox. Pas vrai, c'est Inox de Shinobi. C'est de la triche mon frère. C'est de la triche mon frérot. Les gars, pourquoi quand je regarde l'écran de Inox, il a un creeper dans son terrain? N'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'il a? Ah mais c'est vrai. Mais toi aussi Maxime, mais comment vous avez des creepers dans votre terrain? Non mais les gars, en pause, mais qu'est-ce qu'il... Attends, mais quoi? Quoi, vous êtes même là, malade. En fait, c'est pour ça que vous avez gagné à Bedwars, vous avez triché. Vous êtes malade, mais attends, mais la tête de ma mère couchée, Max, il y a un creeper. Ça rend fou d'avoir autant de mauvaise foi, les gars, je vous jure. Mais non, mais eux, ils ont un creeper en exemple, frère. Mais un œuf de creeper. Ouah, mais vous êtes trop malin. Et tu te mets un exemple. Ouais, frère, t'as cru. Ah, mais hé, voilà, faut tout dire. Faut expliquer à des gens qui ne jouent pas au jeu. Attends, en vrai, je crois qu'il y a moins qu'on plie un classique en fait. En vrai, on peut plier un classique. Je pense. C'est trop dur, sa mère. C'est dur de ouf. C'est trop dur, les gars. Mais c'est vous, hein, vous avez voulu mettre creeper. Faut assumer maintenant. Tu vois, Gota, quand je disais un peu de Minecraft, c'est ça que j'avais dans la tête. Ouais, je vois. Ça, c'est mon Minecraft, ça. C'est ton Minecraft, ça. Ah ouais, ça, je me régale. Toi, il est bien ton creeper, Max? Frère, je crois qu'il est pas mal, hein. Putain, il reste combien de temps là? C'est écrit à droite, 1 minute 46. Oh, wesh, je prenais grave mon temps. Non, mais là, c'est pété là. Moi, tu fais un truc de zinzin. Il reste une minute. Eh ouais, messieurs. Ça, vous avez bien bossé. Ouais. Okay. Ok, c'est parti. Attends, moi, je vous spoil pas, le mien. Ok. C'est à qui ça? Là, on est chez quelqu'un? C'est quoi cette merde? Ouais, c'est mon creeper. C'est qui que j'ai regardé dans la map? Rien compris, toi. Mais si, c'est mon creeper, faut juste faire la tête, on m'a dit. Mais frérot, en vrai, ça va. En vrai, non, en vrai, il y a pire. En vrai, il est original. J'espère que vous avez pas fait les trois mêmes, moi, tu vois, c'est la petite tête. Là, c'est... c'est plus un creeper, c'est un cri qui a peur. Donc là, c'est ma création, les gars. J'ai voulu être original. Tu vas faire l'art abstrait plutôt que faire quelque chose de 3D. Mais pourquoi il y a un creeper sur ta map? Bah, parce qu'en fait, j'ai trop triste là. Il y a un creeper là sur ta map. Mais en fait, t'as triché. Frérot, c'est un creeper dans le creep. C'est ça la sculpture. Oh, la et en gros, j'ai vraiment voulu faire un truc 3D où tu vois, on ressent vraiment toutes les émotions du creeper. Là, on sent que là, ça se voit. Là, ça se voit. Bah, ouais. Mais parce que le creeper, le but de sa vie, c'est d'exploser. Ouais, et là, du coup, tu sens que là, il est sur le point de passer un step. Tu vois, là, ça dégage vraiment toute l'émotion du creeper. On passe à quelqu'un d'autre. Ok, prochain creeper. Alors, ça, c'est mon creeper. Je vous invite à aller. Waouh. Non, no joke, waouh. Là, c'est. Attends, quoi, t'as fait ça? C'est une carte graphique, frérot, là. En fait. C'est inventif. Mais frérot, tu peux même rentrer à l'intérieur, il y a des trous et tout. Non, mais gros, c'est parce que j'ai pas eu le temps de finir, mais regarde. Ah, bah voilà, frérot, faut pas confondre vitesse et précipitation. Oui, non, mais. Autant partir dans l'abstrait, dans ce cas-là, t'as pas le temps. Ok, Gotega, mais est-ce que tu peux regarder les patounes? J'ai fait les patounes noires. Ah, ok, palmarès, j'ai fait les patounes. J'ai fait les patounes. Franchement, cake W. Non, arrête, abuse. Et après, ça remonte comme ça. Et en fait, juste, j'ai pas les yeux. C'est pas un creeper, là. Là, on demande à quelqu'un, c'est quoi ça? Il te dit c'est une tour. Mais c'est parce que juste une tour. Il manque juste les yeux, mais en vrai c'est exactement comme ça. Il manquait juste un peu, mais ah c'est un peu une tub d'un côté, ouais, franchement. Ouais, mais il manque la tête. En vrai, si on fait un mélange du tien et du mien, il y a peut-être la fusion. Ouais, je suis d'accord. Pour aller jusqu'au bout, peut-être de l'aventure. J'aimerais pas être ta meuf. Hein. Ok, bah je trouve que vous avez été quand même très gentil avec Gotaga, qui je rappelle a juste vomi sur la map. Ah, c'est une tub. Non. Bah arrêtez avec cette Maxime hors thème. Voilà, je demanderai d'être clément. Il y a beaucoup de clics à faire pour faire ça. Bah je sais pas. Alors attends, Maxime, on sera d'accord avec toi si seulement si quelqu'un a réussi à faire une reproduction grande 3D et qu'il a fini, par contre là on sera obligé de on verra plus tard. Ça me va. Dwagby, allez, on va voir le creeper de Dwag maintenant. Allez, on change de creeper. Moi, je suis content de mon travail. C'est quoi ça? Non mais attends. Je vais vous dire les termes maintenant. Au début quand j'ai vu mon dessin, je me suis dit j'avoue je me fous de leur gueule. Mais au final c'est de la muse que vous faites. Il nous a chié à la gueule. Il a mis des lianes, il s'est dit c'est un creeper. C'est tout simplement. Il a mis des lianes, les gars. Il est en train d'exploser. En fait là vous avez le creeper qui est en train d'exploser. Et en fait pendant qu'il explose, c'est le moment que vous voyez pas parce que c'est un énorme flash. Il est exactement dans cette forme là. Il a même une deuxième tête qui pousse avant. OK les gars, je crois la finale. Ça dépend, que franchement pas besoin de parler, je pense que t'es finito. Non mais Dwag, t'as passé c'est bon, c'est fini. Mais t'as passé 5 minutes à vanner mon dessin. 5 minutes, il a posé deux blocs. T'as posé deux blocs. Non, et en haut il a posé une tête de creeper. Tu dis bah, c'est bon. Inox, montre-nous. Moi là. J'ai streamé Inox les gars et j'ai vu ce que Maxime n'a pas réussi à faire. Voilà, j'en dis pas plus, mais regardez-moi. Waouh. Oh, le bâtard. En vrai de vrai. Attends. Quand tu vas derrière, il y a un problème quand même. En vrai de vrai, voilà, t'es triste là. C'était triste. En fait, il a explosé là. En fait, moi j'ai envie de jouer l'honnêteté. J'ai essayé de tout donner sur le creeper maintenant. Ah, les patounes. Il a explosé. Il y a qu'une partie avant qui est sortie et c'est un creeper en 2D. C'est
c'est une dinguerie, regarde, il vote tous Inox. Et les yeux plus gros que le ventre, faut les. Moi, voilà, moi c'était vraiment un creeper. Là, là après Inox, c'est quand même un creeper. Il y a la vas-y, tête, on reconnaît. On va essayer de tout revoir un peu. Après, la tête, de bon. J'ai envie de refaire une game, je suis dégoûté de là. On va aller qu'on refasse une après. Pour être honnête, les amis, sachez que Inox a gagné à 56%. C'est-à-dire qu'il y a 44 personnes délégionales qui ont voté autre chose que Inox. C'est quand même fou ça. Bien joué, les gars. GG, franchement, GG, c'était la première game, c'était une game de chauffe. Venez, on fait un thème que je vous dis pour qu'il y ait vraiment un challenge. Ok. Allez, c'est parti, on relance une game. Ok, c'est parti, du coup c'est bouteille de vin. Bouteille de vin. Je sais pas si j'ai opté pour le bon truc moi. Bouteille de vin les amis, que le meilleur gagne. Ok, moi ça part très bien pour moi les gars. J'ai perdu grave du temps en cherchant des blocs je crois. Bordel, attendez. Pourquoi tu regardes mon écran Dwag? Frère, y'a rien à voir chez toi, quoique. Tu viens de donner des idées là. Idées. Il m'a dit le temps c'est à côté. Oh, il reste déjà plus que 4 minutes, ça veut dire déjà un tiers du temps qui est passé, j'ai pas commencé. Oh non, t'as pas regardé ça. J'ai pas fait exprès, ouais. Ça c'est tombé devant moi. C'est ça que tu fais Dwag B. Vas-y, c'est quoi, je vais rester sur mon idée de base, vous allez encore foutre de Michael. Mais non, Dwag. Promis ouais, ouais, t'inquiète, ça va être lourd, je le sens. Oh bordel, 5 minutes c'est passé. Je te jure, c'est frustrant. T'as envie de faire des trucs de ouf, mais t'as pas le temps. 5 minutes c'est dur. Mais je sais même pas dans quoi je vais. Je pense que j'ai pas du tout assez de temps pour ce que je veux faire. Non, faut respecter. Moi je pense pas. Moi je pense faut respecter aussi. On respecte. Oh, je suis en mode tryhard. Il y aura pas de temps supplémentaire, bonne chance, il reste 1 minute 6. Ok, mec. Moi j'ai presque fini, les gars. Moi je crois même que j'ai fini. J'ai trop hâte de voir vos bouteilles, je me spoil pas. Ok, c'est parti. Let's go. Oh! Waouh! Oh! Alors, il y a la petite étiquette aussi sur le franchement, côté. Franchement, Maxime! La petite étiquette Maxime sur le côté. Okay, le vin. T'as fait pile la bonne proportion, bien joué, mec. Maxime, t'as dette ça. Okay, c'est, ouais. J'ai perdu 2 minutes à trouver le violet bizarre. T'as vraiment trouvé la bonne couleur. Il était chaud à trouver. Pourquoi il y a des gens qui disent tous Dwag, votez tous Dwag, Dwag, votez Dwag, votez Dwag, full Dwag. Attendez de voir. Pour une fois, je me suis surpassé. Ok. Si déjà vous êtes émerveillé en voyant ça, c'est vrai? Très hâte de voir votre prochaine bouteille. Il y avait quand même l'étiquette, les gars. Retenez l'étiquette. Ah, Inox. Ah, ça, c'est moi, ça. C'est éclaté. Éclaté sa mère. Ok, c'est quoi à côté, là, tous les petits trucs? C'est un morceau de fromage avec un couteau, un tonneau. Alors, ah, t'es pas dans le deal. Mais t'aurais dû te concentrer sur la bouteille, je pense. Et du coup, t'as pas eu assez de temps. Waouh, mais t'es quand même très technique. J'aime bien quand même l'idée. Tout, non, par contre, c'est quoi le truc blanc au milieu? Mais là, c'est plus une bouteille de l'étiquette. Sky. J'ai l'impression que c'est plus une bouteille de Sky. Ouais, ça fait moins bouteille de vin, je suis d'accord. Par contre, j'aime bien le côté vitre fumée, ça, j'aime bien. Je savais pas que ces blocs existaient, t'es un crack. J'ai cherché la vitre fumée rouge, du coup, mais il était pas rouge. Bien joué. Messieurs, dames, pas d'aller mal. Voir le futur gagnant. Ouais, ne soyez pas surpris. Ok. Me dites pas que c'est Dwag là. C'est une fusée bizarre. Non, mais frère. Par contre, non, les gars, pourquoi il a fait un tampon? Non, par contre, je peux dire. Non, mais frère, il y a un truc qu'il a bien fait, c'est le bouchon. J'aime bien le bloc pour le bouchon. Le bloc pour le bouchon est bien. Merci. Sinon, il nous a encore chié à la gueule back to back. Il nous a carrément chié à la gueule. Pas besoin de voir le mien, j'ai pas fini, j'ai pas le temps de finir. On dit pas une bouteille de vin, on dit une fusée de vin. C'est oh, c'est quoi ça? Elle est vide. Mais j'ai pas fini. Bah ouais, parce que. Ah ouais, t'avais des ambitions là. Bah moi, je bu. Bah ouais, c'est. Ah ouais, l'ambition. Votre creeper de tout à l'heure, il m'a donné envie. J'ai vu en grand. C'est pour ça. Eh, c'est pas rond, c'est à losange là. Regarde le d'en haut, s'il te plaît. Frérot, j'ai eu la même problématique que Dwag de comment on fait un rond. Franchement, je pense que Dwag a gagné là. Mais merci, la fusée de vin. En fait, c'est une fusée de vin. Je pense vraiment que Dwag a gagné. T'as roulé sur la compète, je suis d'accord. Au bout d'un moment, on n'arrive plus à se différencier à travers les vins, à travers le goût. Frérot, on n'a jamais vu de shot de vin. Mais après, vous votez. En vrai, j'aurais voté Maxime. Moi, j'aurais voté la fusée de vin. J'aurais voté Maxime. Dwag, premier degré, t'avais 6 minutes. Comment ça se fait que t'as posé si peu de blocs? C'est aberrant qu'en 6 minutes, il a posé 10 blocs. Il a posé une bannière, un jukebox. Les gars, tout est dans le détail. Vous essayez d'impressionner les gens par la masse, par l'effet visuel. Moi, j'impressionne les gens par la justesse. Ah ouais. Là, no joke, ok, ils vont peut-être voter pour vous parce que c'est plus élégant. Maintenant, sur une table, demain, ils vont préférer ma fusée de vin. Et c'est Maxime qui gagne. Si on la sort en magasin, c'est 49% pour Maxime, malheureusement, Dwag. Non, mais mérité. Elle était bien bossée. Mérité, elle était d'arrêt. Maxime. Ça veut dire qu'on est à 3-3 tous les deux. On ouais, vous êtes en train de smurf la soirée. Mais les A, ok les amis, on en fait une last. Vas-y, chaud. Allez, last de le chat, une last. Prenez vos blocs, à vous de jouer maintenant. Non mais il y a marqué indice, insecte avec une coquille en forme de spirale. Mais frère, c'est pour Dwag, frère. Tout le monde sait ce que c'est un escargot, je pense. Hein. C'est bien wow, de mettre un indice comme ça. Absolument pas quel. Je sais plus c'est de quelle couleur un escargot. Ah ouais, bon en fait t'as bien fait de mettre des indices. Attends, je sais absolument pas quel bloc prendre là les gars. Bien moche un escargot, c'est bien moche. Attends Max, regarde-moi dans les yeux vite fait. Ok, c'est bon, ouais, ça me rappelle. Tu regardes quoi? Tu regardais quoi, frérot? Tarte à la citrouille. J'ai pas compris ce que tu cherchais là. Dwag, tu copies pas. Ça se voit, t'aimes trop copier toi. Œil d'araignée, poudre de blaze. T'es une sorcière, Dwag, il fait des
recettes. Je sais pas ce que je suis en train de faire là. C'est quoi là? C'est Gargamel? Je comprends pas. Y a pas deux antennes de Martien? Oh frère, je sais pas ce que je suis en train de faire, mais vas-y. On est ensemble. Par contre, j'ai vraiment trouvé le combo ultime. Mais pas le droit de copier. Frérot, personne va copier sur toi au vu de tes précédentes performances. Ouais. Performance. Par contre, là, si je gagne pas, je comprends rien. Ah ouais, t'as tout donné? Frérot, la dernière fois que t'as dit ça, t'avais posé 3 blocs. Ouais, mais non, là, ça n'a rien à voir là. Mec, 100%, je suis. Eh les gars, je lâche clavier souris. Je lâche clavier souris à 1:10 de la fin. Je peux même faire une petite FAQ. Chat, comment ça va vous aujourd'hui? Vous voulez qu'on en parle un petit peu? Moi, je suis sur une fin de mon petit escargot. Prêt à vous le présenter. Prochain invité de Zen. Chat, prochain invité de Zen. Moi, j'aimerais bien recevoir. Bah, y a pas mal de monde que j'aimerais bien recevoir dans Zen. Mais c'est pas ton émission. Par exemple, là, comme ça. Mais c'est toi qui fais les invitations? Je sors du monde du streaming ou pas? Ok, possible. Non, mais tu vois, un Jonathan Cohen, je serais très bien. Okay. C'est quoi cette merde? Non, mais c'est quoi cette merde? Non, me dites pas que c'est toi le pitch, s'il vous plaît. Ah, je pense pas qu'on commençait par le mien. Non, bah, allez, c'est bon. Allez, c'est bon. C'est qui ce mec là? Non, mais en fait, tu peux pas jouer. Non, allez, c'est bon là. En fait, tu vas rentrer chez toi. On peut pas jouer avec ce gars, les gars. Tu veux rentrer chez toi? Non, mais allez. En vrai, Mister V. Ah, ouais. Il rentrerait carrément. Après, c'est trop attendu. C'est trop. Mais là, tu changes de sujet, on dirait, par rapport à l'escargot. L'escargot, alors, du coup, je vous explique. Téléportez-nous à un autre site. Quoi, c'est une blague? Vous êtes sérieux? Attends, on va prendre le temps sur mon travail. Non, c'est bon, mec. Ça y est. C'est quoi ça? Ah, des toiles d'araignée t'as mis en. Oh, mais non, c'est de la bave. Pas dégueu. En vrai, il y a de l'idée. Je vois un peu l'idée. Bah, grosse coquille, ça sort, machin, etc. Les gars, voilà. Ouais. Il est un peu malade. Comment ça, il est un peu malade? Il est à côté. C'est un tatou en escargot. Non, mais c'est visqueux, les gars, les escargots. Qu'est-ce que vous racontez? Ouais. Et la coquille, c'est matière coquille, ça. Hein. Je vois des coquilles tous les jours, c'est ça. Ouais, ok. Ok. Il est en bois, celui-là. Alors, par contre, là, c'est un jouet pour enfants. Personne critique ça. Non, mais au moins, il y a un effort, quoi. Non, c'est pas mal. Il y a plus de 3 blocs posés. C'est pas mal, mais bon, c'est. Mais les gars, si vous mettez des blocs, je mets des blocs. Bah, c'est le Le but du jeu, c'est build. Mais t'as déjà vu une coquille comme ça? Non, j'avoue que la coquille est fait la gueule un peu. Oh, c'est pas mal. Attends, il est bizarre. Regardez, il a la traînée. Il y a une galaxie, ton escargot. Non, mais regardez, là. il y a la traînée de visqueuse. Ah, c'est pas mal. Il y a la traînée visqueuse et il est dans l'eau. Et ça, c'est l'arrière. Ouais. Il a la petite queue qui dépasse. Ouais, c'est pas mal. La petite coquille et l'avant avec les yeux. Ah, c'est pas mal. Mais non, mais frérot, mais. Non, mais tu t'es trop concentré sur les alentours et pas assez sur. Mais non, mais l'escargot, il y a quoi qui la tire à droite comme ça, là, frère? Franchement, il a envie de partir. Il a envie de partir. Là, ton escargot, il a un pète au. Mais la coquille. La coquille, elle est pas comme ça. Mais si, mais tu connais pas tous les escargots du monde. Oui, c'est vrai. Peut-être qu'il y en a qui sont comme ça. Mais t'es raciste envers certains escargots. Non, c'est vrai. Pardon. T'es racelard des escargots, frère. Ah, par contre, des escargots en bois, on en connaît pas. Ouais, tu m'as vanné sur mon escargot. Mais les gars, c'est du bois la coquille d'un escargot, je crois, non? Non, c'est. Mais c'est. Mais non, mais allez. Non, mais tu fais exprès. On est où là? Non, par contre, je vous jure que la coquille d'un escargot, c'est du bois. Frérot, je te jure que c'est pas en bois, c'est de la coquille, frère. Elle vit dans les arbres. T'as cru comment elle pousse la coquille? Non. Ah, donc ça, c'est fait en escargot, ça, par exemple, ce bois-là. Non, l'escargot, il imite les arbres pour se camoufler, donc c'est de là. Mais ça vit pas dans l'arbre, frérot, ça vit dans l'herbe. Ça sort quand il y a la pluie. Ça vit dehors, mais ça se camoufle en mode arbre. Non, c'est trop une dinguerie, ce mec. C'est comme les branches, ça vit dans les branches. Celui-là, j'avoue, il est pas mal, top 2, mais bon. Celui-là, il est pas mal. Non, mais top 1, on dirait plus un martien. Oui. Let's go! Il a pris Gotaro 1v1 au sumo. Il continue de prouver sur. Bon, ça, je demande à voir. Non, c'est vrai que ton escargot était propre quand même. Non, mais attendez, les gars, c'était pas mal. Maxime, Biagi, voilà sur qui il fallait miser ce soir. Let's go! Il prend la tête de la soirée. Ouais. C'est pas fini encore, mon ami. On va enchaîner avec un prochain jeu parce qu'il nous en reste encore pas mal. PvP swap, moi, c'est mon mode préféré. Sauf que là, on va pas faire PvP swap random normal, on va faire PvP swap duel. Là, c'est 1 contre 1. Si tu gagnes ton 1 contre 1, tu vas sur une autre arène. Donc celui qui perd contre Inox à la fin de soirée, déjà, c'est cool. Inox, vas-y, viens, on t'énerve quand même, frérot. Tu spam le jeu. Trop fort. Ok, j'ai pas le droit de m'enchanter plus que non, T2. T'as pas le droit de t'enchanter tout court. Non, mais frère, non, tu connais les coffres et tout, non? Laisse-moi rien, au moins trancher un. T'as le droit juste à sharpness 1. Bon, bah c'est parti alors, on lance. Ok, c'est parti, vas-y, go. T'as pas peur? Donc, tu devrais être concentré dès le début, moi. Alors, PvP swap, les amis, y'a des gars. Non, mais c'est de nouvelles arènes? Ouais, c'est nouvelle arène, c'est duel, c'est 1v1. Qu'est-ce qu'il faut faire là, les gars? Faut chercher. Rush les coffres. Ok, là ça swap, les gars, vous allez être contre un mec et ça va se tape direct. Oh, je suis contre Gotaga TV. Tu m'as laissé le placement. Non, Inox, s'il te plaît, viens, on fait la trêve. Oh, Dwag. Dwag, je te laisse tranquille ou pas? Dwag, bah alors Maxou. Franchement, on peut faire une paix. Une paix de ouf. Est-ce qu'on fait une paix Dwag Inox ou pas? Moi j'ai tout à gagner dans cette paix. Regarde. Aïe. Je monte aucune. Mais c'est quoi que tu m'as balancé? Je suis dans la lave. Trois coffres. T'as trois coffres et moi je suis dans la lave. Ah bon? Aïe. Aïe. Mais c'est quoi? Je me suis fait tuer par un poulet. Bah alors bouffon. Mais je comprends rien, frère. Je te faisais zéro dégâts. Ah mais t'avais une pomme. J'ai pris plein de coffres, j'ai pas eu de pomme. T'as des pommes comme ça. Mais j'ai pas eu de pomme. Mais frère, ça y est aussi. Pas mal la chance pour avoir les pommes. Pardon, excuse-moi, bien joué Maxime en tout cas. Ah, pas de soucis mon gars. C'est la paix ici. C'est la paix entre nous. C'est la paix. Protection 1. Mais attends, quoi? T'es un fou? Ouais, c'est mieux hein, si tu tiens la vie. Là maintenant il y a plus de paix, frérot. Voilà, tu viens de briser l'acte de paix. Là maintenant c'est toi contre moi. Je suis grave pote avec Ace. Fais le fou. Fais le fou. Pourquoi il me croque ton chien? Ah non, tu l'as tué à la pioche. Attends, tu l'as tué à la pioche? Non, c'est une dinguerie. À la pioche en diapse. Sérieux, depuis le début du combat? Il vient depuis le début du combat. Pourquoi tu fais ça sur ma tête? Pourquoi tu fais pas ça quand t'es contre Aeron?
Ah c'est quoi, dur. Tu fais ça sur mes couilles? Ah non là c'est dur là, c'est... Vas-y, j'ai pas de chance. Ouah, les gens sont trop forts frère. Ah mais non, partout loin, il est dans une nouvelle truc de duel. Non. Non, tue l'autre, s'il te plaît, laisse-moi tranquille Inox. Il y a un autre gars. Non, tue l'autre gars. Non, Inox, tue l'autre gars, il y a un autre gars. Inox, regarde, il y a un autre gars là. Inox, tue le celui-là. Voilà, et le team up, peut-être. Oh, fils de toi. J'ai dit Inox, mon gars, viens, on le tape deux. Si jamais les gars, les maps de duel, comme vous pouvez le voir, sont assez connectées. Ah, Max, voilà. Et en gros, si t'as certains objets, tu peux te téléporter ou construire. Et du coup, Inox il a pas eu le temps de build. Et là, il tombe contre le mec qui m'a tué, qui est super bien stuff. Inox, les putains de cas de cœur. Oh, ça c'est tellement close. Et le mec, après m'avoir éliminé, élimine Inox Tag. GG. Tu sais que Max il a la pioche, le mec. Hein. Okay. Le mec qui a mais la pioche. Non, mais c'est une honte si Max il gagne une game, gros. Ça, ah non, mais bon, lui il a gagné des duels, contrairement à toi. Qu'est-ce que tu. Il a la pioche en face. Tu peux t'approches pas. Wesh! Le mur Maria? Attends, je tente un truc! Non, non, c'est nul ça! Ouais, quelle erreur! Oh, l'erreur! L'erreur de Max alors que je décide de partir! Il en dépend vraiment, il se fait chier! Max, un coup! Max, un coup! Max! Un coup! Pourquoi c'est si close alors qu'il est à la pioche? C'est humiliant! T'as réussi là où des gens ont échoué, même si t'as la pioche! Ouais, mais bon, c'est humiliant, frère! GG Maxou! On me félicite d'avoir réussi à manger mon caca là! C'est une dinguerie! Bah écoute, Dog n'a pas réussi à le faire! Je suis en tête du classement, j'ai 5 points! Donc les amis, je vous propose de jouer à mon mode préféré sur le serve, c'est le Fallen Kingdoms. Je vous explique les règles. Oui. Le but c'est quoi? Protéger notre base. Aller en dehors de la base pour farmer du fer et tout, et attaquer les autres bases. Donc voilà, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que le chat, tout le monde est prêt? C'est parti, hein! Vas-y, les gars, on va voir, gagne, hein! On doit gagner, hein! Attends, faut choisir un kit. Ouais, donc on a ajouté les kits, ça peut aider sur certaines games, etc. Donc prenez le kit que vous voulez, moi je vais prendre le kit alchimiste. Et c'est parti, let's go. À partir de maintenant, minez, faites-vous du stuff. Il y a plein de minerais dans notre base. Rush le diamant. Pour slay. Pour rusher le diamant, les gars. Ah mais je peux pas, j'ai pas de pioche. Moi j'ai, je peux te suivre. Ah, ça se transforme directement. Faut se faire une pioche en fer, Dwag. Faut prendre les verrues du Nether là où on s'en balèque. Ouais. Moi je vais faire des potions. On peut faire potion de force. Ouais, vas-y, je vous en amène alors. Ah mais le creeper il drop direct une TNT. Ouais. Faut tuer les creepers. Attends, je peux tuer la pioche? Ouais, tu peux. Oh non, il crame tout seul. Oh, c'est trop bien. Donne ta pomme. Voilà, bien wesh. Ok, la nuit elle tombe, les amis. Dehors, faut vraiment farmer tous les creepers. Faut vraiment tout tuer. Vous tuez les creepers, vous tuez les sorcières. Et vous ramenez tout dans les coffres de la base. Ok, mais là, si on se tape. Enfin, s'il y a des gens, on se tape quoi. Ouais, oui. Là, il y a le PVP activé. Donc faites attention à pas mourir aussi. Et tuez les zombies. Des fois, ils dropent des pommes en or, des diamants. Les pommes en or, elles sont worse de fou. Hein. Eh les gars, je veux vraiment qu'on gagne ce Fallen Kingdoms. Ouais, moi aussi. Il est hors de question qu'on perde, les amis. Ah, derrière toi, y'a un mec. Très bien, fonce dessus. Viens m'aider. Va l'aider. Oh, let's go. Vas-y, on rentre avec tout ce qu'il a. GG, ça, c'est bon, ça. Mec, voilà, y'a un joueur qui m'attaque. Barre-toi, je peux pas t'aider. Moi, je peux venir. Oh, je sais pas où vous êtes. Non, ok. Tu te le fumes en fait, tu te le fais. Ouais, c'est bon, il s'est barré là. En train de te faire un mec, Gotha, okay, là. Rentre à la base. Je suis en train de me faire un mec, mon gars. Vas-y, viens, Inox, viens, sors dehors, on se fait un mec à deux là. Attends, je refais des potions bâtards, de force. Attends, appelez quand c'est comme ça. Là, les gars, je prépare un max de potions. Comme ça, quand on attaque, on va tous les boire. Potions de force, ça dure pas très longtemps, donc je vais faire des potions de speed aussi. Venez, suivez-moi. Vas-y, on va attaquer, on va une base. On va se faire un mec. Allez, venez avec moi. Mangez bien. Premier assaut, moi je vais faire une strat. Vous avez beaucoup de TNT, vous? 4, 0. 6. T'en as 27? Mais c'est quoi ce mec? Tu peux juste aller check à la maison s'il y a personne. Je vais check. Et nous on reste là, on va attaquer. J'en peux plus. Oh. Ok, c'est parti. Ah mais attends, mais nous si on a pas de briquet, on peut rien faire. Suivez Inox. T'es obligé de nous allumer, c'est comme ça. Ok, ils sont beaucoup là. Faut les tuer, les gars, faut les tuer. On y va. Vous avez potion de force, vous êtes confiants. Wesh. Deux morts. Nice. Trois morts. Je suis trop nul en PVP, je crois. Je te laisse là-bas, tu répares à la base. Let's go. Oh, y'a des mecs qui sont en train de nous faire. Je suis mort. Y'a des mecs qui sont en train de nous faire, Gotha. Les gars, refaites-vous du stuff, y'a plein de stuff. Y'a plein de stuff dans le coffre. Je vais me faire un mec, hein. Ah, mais c'est vous. Mais vous êtes. J'ai enclenché la pomme d'or. Ah, il a enclenché direct. Les gars, t'as enclenché direct. Non, mais c'est l'envie de se faire un mec. C'est vraiment l'envie de se faire un mec. Ok, bon, fait chier. On a loupé l'assaut, mais au moins, je voulais juste vous montrer comment ça marche. Et là, techniquement, une fois que vous êtes dedans, quoi, y'a un lit à casser, c'est quoi? Non, faut péter le Nexus qui est au milieu. Et tu vois chaque fois Nexus, frérot. Noir, là ça a été direct. Ah ouais, hein. Là, mon Nexus est en 1000 morceaux. Non, mais nous on est tranquille, nous. Mon Nexus il est à 500. Ouais, t'inquiète. Je crois que je vais devoir me faire un mec. Ouais, on se le fait. On se le fait à deux. Non, attendez-moi. Oh, laisse un peu. Oh oui, Georges. Oui. Attendez-moi. Il est 1 HP. Ah, il va rentrer. J'ai de la TNT, t'as un truc? Bah ouais, mais t'as de la TNT, mais si t'as pas de briquet, frérot. Attends, faut trouver là. Les gars, on peut se les faire, hein, les bleus. Hein. C'est gratuit. Vas-y, vite, j'en peux plus là. C'est bon, j'ai mis une TNT. Et là, direct. Ok, go. Vas-y, on rentre. Les gars, je suis monstrueux, hein. Go, venez, tout sur le même. Derrière vous, y'en a deux. Venez, rentrez dans la porte, rentrez par la porte, tapez le Nexus. Je suis archi. Oh.
Continue, allez, continue, allez, continue, allez, démonter. Bien joué, bien joué, Max. Oh oui. Il a combien d'HP le Nexus? Je crois 200, je crois. J'ai fui, hein, ok, j'ai bien fui, joué. Attends, 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 c'est un briquet, vas-y, vas-y, viens. Let's go. Ça nous attaque, ça nous attaque, ça nous attaque, ça nous attaque, ça nous attaque. Ça arrive sur le Nexus. Non mais moi je vois rien les gars, c'est la nuit là. C'est... J'ai une hache en bois. Ils sont trois sur nous, ils sont trois sur nous. Ah, ils font peur de fou. Ok les gars, on va se les faire, on va se les faire. Ouais, les gars, on va pas se les faire. On est mort. Nexus attaqué. On est mort là. Ah, mais on peut, on... tant qu'on meurt pas, c'est bon non? J'ai même pas de bois carrément. Nice, nice, nice. Attends, mais... Reboucher, reboucher les gars. Faut mettre des blocs, faut mettre des blocs. Je rebouche, rebouche. J'ai trois pierres, j'ai trois pierres. Ils pètent toute notre base. Hein. Les gars là, faut qu'on défende. Faut qu'on défende, faut qu'on défende. On a pas de bloc. Ouais, par là-bas, par là-bas, par là-bas. Ça attaque, ça attaque. Deux sur moi, deux sur moi, deux sur moi. Je les tempo à l'extérieur. Max, Max, faut que tu te mettes du stuff là, t'as rien. J'en ai mis un super lourd. Pas de faire. Les amis, faut qu'on soit la base. Potion de merde. Je ne fuirai pas! Ok, faut que je fuis. Fuyez, fuyez, fuyez. Là, le but, c'est pas compliqué. On va chez les bleus, on tape le Nexus. On a tous un HP, mais on y va, on est là. Moi, je suis là, hein, je vous attends. Mais nous, on va à droite, nous, Inox. Je sais pas où t'es, moi. Oh, y'a méchant là, sur nous. Attends, j'ai du stuff pour vous. J'en ai fracassé un. Inox, y'en a un là, regarde. On replie. Oh, bloc, on se le fait. Il est là, on le fait. Oui! Y'a un autre. C'est pas sa base, c'est pas sa base. Attention, sur la base. Sur la base, y'a des gens qui arrivent, non? Max, prends ça, Max, prends ça. Go tout leur mettre, les gars. Go tout leur mettre. Vas-y, mon gars. Lui, il est low, lui. Je te suis, Gotha, je te suis. Oh bordel, j'ai pris cher. Sur moi, sur moi. Y'a un mec sur moi. On retourne, j'arrive sur toi. Full, il te chase. Je vais juste mettre un coup, mais recule. T'as, il me one shot, moi j'ai un seul coup. Oui. On le fume. Il a full stuff. Donnez le stuff. Prenez le stuff, les gars. J'ai un full stuff pour vous là. C'est toi, Inox, j'ai ramassé. J'ai un full stuff. Vas-y, je suis derrière. Gardez un œil sur la base, les gars. Fais gaffe, y'en a deux. Il avait raison, c'est pas fini. Les gars, je me fais courser là. C'est là. J'arrive, les gars, j'arrive. Continue à vous battre, je rentre chez eux. Je fais n'importe quoi. Où, Inox? Vas-y, infiltre. Les trois bleus sont. Inox, tu vas le faire. Gotha, à ta droite. Trois mecs à ta droite. J'en fous le tempo, ils te regardent, ils te regardent. Je suis dans leur dos, Gotha, viens. Venez tous. Ok. J'arrive. Ça rentre dedans, Inox, c'est bien. Il perd du temps. Ils sont low. Il perd du temps de ouf sur WAM. Je le fume, celui qui est sur toi. Un de mort. Nice. Let's go. Gotha, fais gaffe derrière toi. Pareil à ta droite, Inox. Derrière toi, trop cher. Gogo, je suis là. Je le down, il a pris 2 hits. Putain, j'ose pas mourir, j'ai que 2 coeurs, sa mère. C'est bien Gotha. J'ai plus de vie, les gars, j'ai plus de vie. Ouais, tempo, les gars. Tiens, Maxou, prends ça. Venez, on va se faire un peu en PV là. Mais attends, mais ça marche pas la TNT, frère, ça allume pas. Les gars, sur moi. Encore, vas-y, pète-moi tout ça. On rentre, je crois. Hein. Ils ont une base de zinzin, je crois. Ouais, je sais pas comment on va rentrer, on a pas assez de TNT. Ok. J'en ai deux encore. Hein. Tout sur les hommes. Derrière, je suis dans le mal. Je suis mort, les gars, c'est fini là. Là, c'est la merde. C'est la de fou. Moi, mes frères, ils sont trop forts. Ah, ça rentre sur nous, sur nous à droite. Là, on a plus rien pour se défendre. Les gars, ça nous attaque là. Mais on a plus. Ça ouvre tous les camps. Les gars, on est au point. Vas-y, go. Je le tape à la torche. Vas-y, je vais au point aussi. Oh, il est tombé. Par contre, on a son stuff, on est bien. On l'empêche de remonter, empêchez-le de remonter. Qui est mort avec tout notre fer? Les gars, tapez-le. Vas-y. Les gars, qui est mort avec tout notre fer? Non, le fer, on l'a utilisé, on a fait plein d'armure avec. On s'est refait un full stuff, enfin deux full stuff du coup. Nice. Let's go. Ok, écoutez-moi, on peut gagner. Prenez du fer dans la base, remettez-vous bien. Plus full fer, reprotégez la base, là on peut la win. Ok, les amis, j'ai 27 TNT. J'ai une strat de fou, vous allez voir ce que je vais faire. C'est tout sur les rouges. Les gars, je vais tout donner sur les rouges, ok? Ils sont attaqués, les rouges là. Les amis, c'est parti, Inox ta glitch. Vas-y, j'arrive, Inox, moi je te laisse pas. Toi aussi, t'as une underpearl, Gotha. Et dans le deuxième truc, t'as déjà des stuff dans le deuxième. Le coffre du bas. J'ai mon mili. J'ai pas le droit de perdre. Nanana. Qu'est-ce que je t'ai venu récupérer? Putain, il fait quoi lui? Qu'est-ce que je t'ai venu récupérer? Putain, j'arrive plus à me souvenir. T'en as deux dans le coffre du bas. Je sais plus ce que je t'ai venu. Le suicide! Le suicide qui vaut le coup! Oh, j'ai mis un coup, les gars! Mais ça suffit! Okay. Si tout le monde défend et que personne touche le Nexus, on a gagné! Moi j'ai envie de boucher parce qu'ils peuvent venir par le dessus. Ouais, non boucher au-dessus! Les gars, moi j'ai pris la classe chasseur, je vais chasser pendant ce temps-là, ok? J'essaie de. Ok, vas-y. Ça arrive? Ça met des TNT! Non, putain, merde! Par où? Ça touche le Nexus, c'est mort, on a plus Nexus là. Putain, je peux pas monter, sa mère, je suis bloqué. Non, mais Max, t'es un troller, gros. Mais tout, je suis un troller. Max, t'as fait quoi, gros? On a combien? Mais gros, je fais quoi? J'étais pas dedans, c'est toi qui étais dedans, disais-moi troller. Non, mais on va en parler à la fin du live. Et frère, c'est moi qui l'ai tué? Non, c'est une dinguerie. Attends, okay, les gars, faut que j'aille taper les bleus. Attends, là, j'aille taper les bleus. Je suis déjà. Oui, tu t'es chez les bleus, Gotha. D'accord, tu vois s'il me chase ou pas. Attends, ce qui est en train de faire un move là? C'est gagné, les gars. Quoi? Les rouges, y'en a plus. Ouais, mais 4 dehors les rouges! Oui, mais j'ai tous les bleus, des rouges! Mais on casse la gueule au bleu, il faut mettre juste un coup. Comment on rentre? Je vais chez les bleus, je m'en occupe. J'en ai tué un. Viens, d'art, je vais en profiter pour rentrer. Vas-y, il me chase. Non, il arrive sur moi, mais ok, je rush chez les bleus, les gars. Ok, il a arrêté. Vas-y, tente-le, j'en ai tué un. Ça rentre? J'ai plus de vie. Faut que j'ai plus de vie non plus, faut que je résume aussi. Ok, bien joué, Inox. Bien joué, Inox. 63 à 46. Oh le clutch. Bien joué. Oh le clutch. Dans ton dos. Le clutch! Bien joué.
Je vais. T'es où, Inox là, tu fais quoi? Il reste 30 HP. On gagne, on gagne, on gagne. Il reste 30 HP. On gagne. Les gars, tout le monde protège. On gagne. Ok, les gars, grave, on est en train de gagner. Le problème, c'est que le Nexus, il va s'arrêter à 1 HP. Ça veut dire que c'est le dernier qui tape le Nexus adverse qui a gagné. Donc là, faut qu'il y en ait un de vous qui arrive à se cacher, les gars. Ils sont bouchés. Tu peux pas rentrer dans le Nexus. Cache-toi, cache-toi, reste caché. Mais le problème, c'est que là, on a pas de Tentenia. Là, niveau stuff, on est. Ça arrive chez nous, les gars. Les gars, s'ils nous mettent un coup, c'est terminé. Ça arrive chez nous, énervé par la droite. Ah, c'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Oh non, dommage. Non. GG. J'étais dans leur. Regarde, regarde où je suis. Regarde où je suis. Oh mais non. Oui. Il est rentré dans le Nexus. Ah ça s'est joué à une seconde alors. Oui. J'étais dans leur Nexus. Mais comment t'as pu aller là-bas? Je me suis sneak, j'ai perle. Mais sauf qu'en fait ils avaient le toit. Oh non. Du coup j'avais pas de TNT et j'ai dû passer par la porte. J'attendais qu'ils partent. Non. En vrai c'est dommage, c'était une belle game. Ouais, franchement vous avez été très bons les gars. Franchement. Putain. Franchement t'en penses quoi en vrai? Je pense que c'est. Ça va mais en fait c'est pas ça, ce qu'il faut connaître le mode de jeu. Faut connaître. Là il y avait trop de nouveautés. Ouais en fait. Mais là maintenant c'est bon, faut apprendre. Moi je vous propose, on peut faire un pitch out. Oh petit pitch out. Vas-y pitch out. C'est le truc avec la canne à pêche, faut revenir. Oh oui vas-y go. Pour ceux qui connaissent pas, c'est Smash Bros sur Minecraft, faut pas sortir de la zone et faut taper avec la canne à pêche pour infliger plus de pourcentage. Et plus t'as de pourcentage, plus ton skin il part loin quand il se fait taper. J'ai complètement oublié comment ça marche la canne à pêche. C'est clic droit et. Droit pour revenir. Dogby est éliminé. 12 secondes t'as tenu. Déjà Dog. Non mais j'étais en train de revoir les touches. Qu'est-ce que tu fais mon petit Gota là? Mais t'es un fanboy toi, c'est fou. Max est à 100% par exemple. Et donc là Max il prend une boule de neige ou un coup, il se fait. Voilà, bien éjecté, mais voilà, heureusement pour lui il avait encore de la canne à pêche. Casse-toi Inox. Maxou, Maxou. Oh, casse-toi! Pêche! Mais Aizom, il est tout le temps sur moi, frère! Je le vois plus que ma daronne! Gotaga qui revient sur le terrain. Non! Max qui essaie de se faire un peu oublier, mais ouais, Gotaga qui, pas, voilà, moi, le remet au combat. Ah, c'est le Fresh Monster après, c'est le GOAT quoi. C'est malheureusement. Aucune poule ne trouve pas sa cible. Malheureusement. Oh, il a que 29 lui! Non, mais c'est mort là! Qui a 29, faut qu'on le focus. Le gars au milieu, Aizom. Effectivement, il a même 20% uniquement. Les gars, faut focus Aizom. Il est trop fort. Aizom, c'est vraiment. À chaque fois qu'il était dans la game, il était trop fort. Dégage de là. Pas grand chose par rapport aux autres, hein, pour donner un exemple. On a un Gota qui tourne aux alentours des 140. Je suis à 250 frère. Inox qui est à 180 et effectivement Max, c'est impressionnant ce qu'il propose parce qu'il est à 250%. Plus de 3 minutes 15 en vie et il a toujours pas dit son dernier mot. Tout ce jeu auto. Aïe aïe. Mais la moindre boulette elle me démo. Allez dégage. Ah. Non. Allez hop, tirer des boules de neige au lieu de la canne à pêche. J'ai vu, il a essayé mais c'était pas le bon slot. Oh non, c'est terminé pour Max. Comme un con. Beaucoup de pression. Oh, je suis trop content de t'avoir sorti moi. Mais Gotaga, ruinez ma vie. Cassez-lui la gueule les gars. Voilà Noji, vas-y, mets-lui des boules. Donne-lui ce qu'il mérite. Ouah, genre t'as spawn au mid. Oh la chatte Inox. Ouah, c'est moi ça moi. J'aime bien. Ça va se taper, ça 250%. Un next tap qui vient de sortir. T'as dit quoi côté Gotaga ou Jarmax? Gotaga Inox qui s'affronte là directement. Oh. Oula, attention Inox commence à être un peu dans le mal parce qu'il. Petite droite là dans Inox. Regardez le sang froid d'Inox Tag. Là certes sourire aux lèvres, mais le gameplay est très sérieux lui. Très précise. Hop là tu vois. Oh, c'était osé mais très vite renvoyé à la niche le Inox. Et après qu'il vient de sortir. Attention, on n'est plus que 4 les amis. Là il sait plus regarder. Il sait plus regarder Inox, ça vient de tous les côtés. Inox qui n'en profite pas, qui veut vraiment survivre. Inox qui dort d'un coup. Oh lolo. Non. Oh non Gotha. Heureusement il restait assez de charge, mais du coup là faut attendre. Ouais, mais là du coup attention parce que si Inox te met un coup. Exactement. Et à ce pourcentage là c'est punitif. Inox qui doit plus avoir beaucoup de canne à pêche là en vrai. 4 joueurs en vie. Oh les gars. Ouais Gotha t'es là. C'est fini pour Gotaga. 3 joueurs restants, dont Inox Tag, mesdames et messieurs. Noji, ils se font fermer, Farah, ce mode de jeu est vraiment trop bien. Oh, Inox, je sais pas comment il va faire. Ce mode de jeu est trop bien. Il y a plus qu'un secret là pour pouvoir revenir. Il le fait avec la boule de neige derrière, mais regardez, il s'est fait attendre. Non, il a encore une canne à pêche. D'ailleurs, mon chat. Ça y est, c'est fini, c'est fini. C'est bon, c'est gagné. C'est fini. GG. C'est gagné pour Aizen. Trop fort. Le monteur de la G-Corp. Il a gagné fort. Mon chat Gotaga, je sais pas si t'as l'info, mais il joue sur ton setup là-haut, Aizen. Ah ouais. Mais il a toutes les macros de Gotaga. Trop facile. Alors. Ok, let's go, on y va, c'est parti, wouhou! Oh non, team, les gars, on est en team! Ah, mais putain! Non, mais faut le dire, les gars. On est en team. Non, Doig! Non. Frérot, on est ensemble. On est ensemble. Les gars, focus Azom, focus Azom. Ouais, les gars, vas-y, je suis derrière lui. Il est là. Oh putain! Ah! Oh, derrière! Les gars, jamais proche. Toujours, toujours ensemble. Sur Gotha! Toujours, les gars, le cul collé à un cube. En fait, les gars, quand on se tape là, nous on revient sur le cube, on sort pas et eux ils sortent. Ça nous assaut, ouais, Non, mais ils prennent trop de place là! Ça nous prend la zone! Regardez la zone, les gars. C'est du hardpoint, c'est du hardpoint. On garde la zone. Garde la zone, c'est notre cube, c'est notre cube. T'as raison. Je suis pas la zone, frère. Je suis pas la zone. Envoie la sauce, Doig. Il perd des pourcents. Oh, je m'en colle. Il perd des
il perd des pourcents les gars. Ils sont en train de récupérer, ils sont en train de récupérer la zone. Il récupère rien du tout. Oh, oh, lui, dehors. Lui prend cher. Sur le même. Oh, les gars, lui il a pris cher, il a plus de canne à pêche presque. Là, si vous le ressortez, il est mort. Un hit. Je l'ai ressorti. Ouais, mais non, il a récupéré de la canne. Ah, bordel. Bah ouais. Tu récupères. Go, on reste dans la zone. Restez là, on garde le contrôle de ça. Les gars, malus, moi je suis qu'à 5%. Voilà, bien sûr. Ça y est, mais putain, Max, tu fais quoi, Max, depuis tout à l'heure? Mais gros, on t'a pas vu de la game. S'il te plaît, on t'a jamais vu au quartier, Bobby. On t'a jamais vu au quartier, Bobby. Mais j'occupe depuis 1h30. J'arrive au cube. Je fais que ça d'être en cube. Ah mais vous parlez du cube vert, il est mort. Violet. Voilà. Mais il y a un fight en face. T'es là, t'es où? Toi t'es où? Vous êtes du mauvais côté aussi. Mais toi t'es où? C'est là où? Je vais die. C'est les plus patients qui gagnent ce genre de mode de jeu les gars. Encore à votre avis, le coup d'avant il était à 30%. Max, je vois que tu fais rien, ça me rend fou. Oh, c'est une dinguerie. Ça me rend fou. T'étais là, t'es mort frère. T'es mort. T'es déjà mort. Mais je vais mourir. Il y en a un qui est mort dans la map. C'est toi frère. Tu pues la merde. Mais 2 minutes 16 en vie quand même. Mais ouais. Mais tu veux une médaille? T'es sorti en premier je crois. Non mais j'ai fait beaucoup plus de joué Max. Merci Coco. J'ai mis beaucoup de dégâts. Voilà. Je suis là. Ok les gars, il y en a un qui est vraiment loin. Inox, c'est à 110%, attention moi. Oh, tu fais quoi? Il y a Capron, faut le tuer. Ok les gars, là, faudrait sortir quelqu'un là. Là, parce qu'on est pas bien. Il y a Inox. En fait, on est en. Le bleu là, faut le virer. Les gars, go prendre le contrôle du mid. On prend l'arme. Je sais pas comment on va faire. Hop, tu dégages, c'est notre arme. Oui, Inox. J'arrive sur Capron. Le Capron, il a pris cher. Oh là, la passe. Le bleu, tu retires tout ce que j'ai dit sur toi. Aïe. T'es monstrueux. Ouais, mais là, je suis un max demain. Reste focus. Oh, je l'ai sauté du mauvais côté. Victoire, elle a utilisé deux. Victoire. Go. C'est bien l'école. Go, victoire. Attention derrière nous, les gars. Tu défends, Max. Ouais, c'est bien. C'est dur. Si j'étais là, j'aurais fait un massacre. Les gars, faut focus victoire. Attendez, j'ai plus beaucoup de canne à pêche, les gars, je recharge. Oh, qui c'est qui a glissé? Ils sont full pourcentage. Les gars, je vous les ai préparés. Mais qu'est-ce que tu racontes? Faut pas laisser. Go, retourne acrobatique. Allez les gars, Voilà, allez, pas qu'il remonte. Les gars, go, il a pu. Non, Inox. Attends, je suis de retour. Ok. Come back. Oh, il était bordure. Wesh. C'est bon, ça passe, frérot. Ça passe, okay, ma vie. Rush. Dernier. Ok, non. Mais frère, d'où il m'envoie aussi loin? Ouais, bah c'est 250%. Les gars, vous êtes 2v2. Ok, l'autre, on s'occupe de l'autre. Je m'occupe de l'autre. Je t'en prends. Ok, il va sortir. Lui, il a plus rien. C'est bon. Boule de neige, il a plus rien. Direct. Go spam. Oui. Boule de neige. Une dernière. Mais il nous fait chier, celui-là. Il a récupéré un peu de... Oui, allez, c'est fini. Pourquoi les gens disaient tous 17 secondes, Doigt que 17 secondes? Parce que faut remercier quand même le travail de l'ombre, les gars, ce qui paraît, Doigt, il a vraiment fait du taf. Est-ce qu'on pourrait revoir au début le taf qu'il a proposé? Boule de neige. Ah, attendez, regardez. Donc le taf du début. 17 secondes, pourquoi 17 secondes? Et attends, mais il nous tapait dessus là. Moi, ouais. Ah, en régie, j'arrive en régie. Attends, non, me dis pas qu'en fait t'as payé tout le long en vocal? Mais non, mais frère. Attends, t'es mort en 17 secondes? Tout le long, il disait je suis au cube, il a jamais été là. Il nous a troll. Mais il me disait, ouais, gros, Maxime, je veux savoir ce que tu fous, tu sais rien. Donc on a gagné en 3v4. On a gagné en 3v4, les gars. Mais tu putes ta merde. Et voilà, tout à l'heure, quand j'étais en duo contre vous deux, vous imaginez ce que j'ai dû vivre? Mais c'est une dinguerie de faire le ça. Le 17 secondes, c'est dans tout son gameplay. Mais il nous a dit, il y a quelqu'un à la régie qui m'appelle pour partir, il y a personne qui l'a appelé, j'ai regardé. Je crois que Doig, c'est le pire joueur de MMC que j'ai connu. Mais oui, je suis d'accord. Et tout à l'heure, tu m'as fait, ouais, t'inquiète, mais Doig, ça va être équilibré les équipes. Et le pire, c'est qu'il a dit, il va nous gagner en Bedwars. Il a acheté des caleçons parachutes. Ah, t'as les boules à l'air du coup. Ah ouais, c'est pas mal. C'est très bizarre comme situation, je trouve. Non, c'est bien ça. Sur le long terme, t'as pas peur? Ah ouais, y'a pas le soutien et tu crois. Ouais, voilà, sur les 3-4 années, tu vois. Ah ouais. Pas à 3 mois. Non, c'est mais ça. À 4 ans. Non, mais déjà rien que là, quand c'est déshabillé, je me suis dit, imagine, y'a un pli qui est un peu bizarre et qu'il y a une couille qui. Enfin, oui, bon, alors par contre, c'est ça le problème de ces caleçons-là. Mais quand t'es assis, on voit les couilles. Essayez la team caleçon parachute. Non, mais frérot, j'ai hâte de voir. C'est juste que t'es en 2000, du coup, tu connais pas, mais de base, c'était. Et toi, t'en as? Là, t'as quoi là? Non, mais là, on parle sérieux, t'as quoi? Ok. Caleçon basique. Tant qu'on l'a pas vu, on croit pas, mais. Ouais, non, mais pause, là vous essayez de changer le sujet, mais moi, de base, moi j'avais entendu parler. Gotaga, il met des putains de string, mec. Avoue que ça tirait tout. Aucun jugement, chacun fait ce qu'il veut. Oh non, pas ça. J'ai entendu The Event, c'était juste une preview qui t'a montré. Toi, t'avais dit que t'avais fait exprès. Nox a même dit, je vais l'éteindre une deuxième fois parce qu'il a pas compris la leçon. Mais ouais, j'avais vu un flash. Pour une fois qu'il y a ça, les gars, je pense qu'il faut l'utiliser, tu vois. Ouais, la balayette, on la voit. Oh là là, la sale balayette. La prod a dit, il faut le rentabiliser, un combat, ça suffit pas.
Alhamdoulilah. Le truc, c'est que je suis tellement lié d'amitié que je me vois pas le froisser. Le froisser. Tu penses que c'est qui gagne entre les deux? Bah, moi, je pense que Dwabi l'éteint. Mais moi, je pense que Inox l'éteint. Du coup, comment on sait, du coup, si. Bah, ouais, c'est ça le truc. Non, mais moi, je pense que le seul moyen de savoir, c'est de revêtir les combinaisons. Mais. Moi, je vous dis, je pense que là, on parle vite fait avec Max, tu vois, et vous, vous allez vous préparer, je pense. Et mec, je pense qu'il y a même pas de mot de la fin. Après, c'est. On arrête sur ça. Au revoir, les gars. Merci d'avoir suivi le live. Les gars, au revoir. On va commenter tout ça. Dites-vous qu'on va finir le live sur ce combat. Vous pouvez retrouver Max tous les lundis sur sa chaîne sur Zen, qui est actuellement la meilleure émission de Twitch. Mais c'est un code et c'est un code qu'on a fait le lundi. Mais du coup, lundi prochain, vous le retrouverez. Il m'a promis un jour, il m'a dit ouais, vu qu'on est trop potes, à un moment, je le mettrai un autre jour à la place. Mais bref, il vous en parlera lui-même un de ces quatre. J'ai dit ça. Merci d'avoir suivi le live. Merci à Gotha de l'invitation et merci surtout à Gotha pour ce formidable cadeau. Mais garde-le, garde-le. Ça, ça arrive. Mais je le garde, je vais le mettre dans ma chambre. Gotha, je crois qu'ils sont prêts. Hein. Bah, je crois qu'on est prêts. Vas-y. Merci à tous. On se quitte là-dessus. Hein. Maxime, je t'en Mesdames prie. Mesdames et messieurs, vous l'attendiez il y a quelques temps au The Event. Dwagby a subi une humiliation. Les images, vous les avez vues. Elles ont tourné sur les réseaux sociaux partout. Une véritable humiliation. Depuis ce jour, c'est la descente aux enfers pour Dwagby, qui n'attendait qu'une chose tous les jours, c'est de s'entraîner pour ce moment. Ce moment. Le combat, la revanche contre son pire ennemi, Inox Tag. Il a toujours dit qu'il avait fait exprès. Il a beaucoup parlé et aujourd'hui il va prouver ses dires. Les amis, je vous prie d'annoncer à ma droite Dwagby, 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 qui sera donc opposé à ma gauche à Inox Tag, la Pulga. Je vous souhaite un bon combat, messieurs. Je vous rappelle qu'il faut respecter les règles du sport, c'est parti. Oh bordel! Oh bordel! Ah, ça se prend coup pour coup! Ça se fait vraiment, c'est du karaté! Oh! Oh, il est sur la limite! Il est sur la limite! Oh! Le coup du boulet de canon! Le coup du boulet de canon! Est-ce qu'il va se tomber? Inox, relève-toi! Non! Inox! C'est la première montagne à franchir! Non! Pas comme ça, Inox! Inox, tu vas te relever, tu vas me le bouffer! Tu vas me le bouffer! Inox, tu dois monter l'Everest! Tu dois commencer par le doigt gauche! Tu vas me le bouffer, Inox! Oh, oui, carrément! Le coup de la balle, tu ne le pas! Les gars, on se retrouve lundi prochain! On vous met le trailer, ça va être une scène! À lundi prochain! C'est monstrueux, c'est monstrueux.